Et oui, World Premiere! Nous allons jouer à Assassin's Creed Mirage. C'est vrai. Putain, à chaque fois que je dis maintenant, je pense à ta gueule. Ta gueule! c'est demain qui sort pour vous les la plèbe. Et oui, vous pouvez le précommander. Ce Mais soir. c'est vrai qu'il sort demain. 47 minutes parce que je fais un peu le début. Parce qu'apparemment, le début c'est très tuto. Si vous voulez pas vous endormir, j'ai fait 47 minutes, comme ça on est bien. Je suppose que tu as suivi complètement l'histoire. Tu pourras nous résumer. Bah, par exemple, comment s'appelle le personnage principal? Basim! T'as triché? Non, j'allais dire Nassim et j'ai eu un souvenir. Je crois que c'est Nassim, Basim. Ok. Ok, Et et oui? est-il un assassin ou pas encore? Non, il est en formation. Pourquoi ça marche pas? D'accord. Bassim est en formation. Ouais, bah comme tu peux le voir, il est en formation quoi. Vraiment. Mais ma manette, elle fait des trucs bizarres là. Il va dans des directions des fois. Basim est en formation, jusque-là j'ai bon. Quoi, en fait, ça Ah, sert à genre rien. là, ça va être ton premier saut de la foi. Attends, je peux monter là? Bah oui, des trucs de traces blanches. Oh putain, ça c'est des prises! Excuse-nous hein! Excuse-nous, Basim! Tu loues Basim avec tes. Tu as l'air en Bon, forme, j'aurais dû la Basim. garder pour plus tard, j'avais rien à Continue dire. comme ça. Non, Mais là de côté. Non, mais je vois où tu veux aller, elle est pas ouais, mal. bah je la garde de Regarde-la. côté, bon. Arrive assez. Oh, et bah attends, il est passé où l'aigle qui fait. Fais Et le attention, saut un peu au t'es ralenti. timide. C'est vrai que là c'était nos effets spéciaux, nos Oui, filtres. il y avait rien. C'était Et juste. oh. J'étais serein. Ton corps le montre clairement. Tu te laisses trop facilement distraire. C'est une vieille qui Le tend. Mais saut pourquoi de la c'est que des foi vieilles en ce moment dans nos est une jeux étape qui nous cruciale et forment? incontournable de Oh, combat c'est contre juste, elle a fumé trop de l'hérésie. clopes, regarde, C'est elle l'un est toute des rites les jeunette. plus Ah, sacrés, pardon, oui. les plus Ah, putain, la anciens. vache, elle a tiré sur les cartouches. Pour l'effectuer avec succès, tu dois Eh, on sentir n'entend la rien à ce que tu peur. dis déjà, t'as fumé trop de clopes et en plus t'es trop basse. Tu nous emmerdes là. Menu. Audio. Oui, je l'avais salement baissé. Ah mais Ton bon, corps elle parle écoute-la. trop quoi. Accueille la peur. Dompte-la. Ouais. Trouve la Ouais, sérénité. arrête ou je te Et remets à n'avance pas. 20%. Oui, maître. Tu arrêtes. Bon. Hey, Roshan! Ta gueule. Pardon? Puis-je vous poser une question? Tu peux. À Anbar, au palais. Vous fumez combien de paquets par jour? Expliquez-moi des rencontres pour un calife et cinq hommes masqués. Des membres de l'ordre. Le calife devait protéger l'objet qu'ils avaient découvert. Mais du coup, On moi, ignorait ce par qu'il contre, par rapport à comptait Assassin's faire. Creed, je n'ai aucune Ils ne idée d'où connaissaient on même est, pas leur nom. de Pourquoi qu'est-ce qu'on nomment-le fout, fils est-ce de qu'on nous. Je crois S'est-il que incliné de la là, ce sorte nouveau devant ces Assassin's gens Creed sans soucis? Mirage est un retour aux L'ordre sources exerce une emprise sur pour l'appel la licence Assassin's de leurs Creed, empires donc depuis des dans la siècles. temporalité, j'en Et sais c'est rien. là Est-ce où que c'est les comme anciens tombeaux MK1 et en s'arrêtaient, fait qu'il c'est est un un mythe reboot? naturel. Mais Est-ce c'est que pas tout le temps des retours aux Les sources en mythes vrai? n'étaient que leur pantin. Tout Ah non, comme parce que au celui contraire, il fait s'éloignait vraiment de la Ganymède, formule, hein, avec Ah ouais. Alpha tout entier. Odyssée et tout, Par ça la se flamme. transformait en RPG monde Voici la ouvert. maison d'aide. Nous Ok, poursuivrons mon alors qu'à la base, instruction c'est plus pas ça. tard. Bien, maître. Je dois trouver Foulade. As-tu vu maintenant Reihan au Il est où, Foulade? Il se prépare à recevoir l'émissaire des Taïbes. Bah, c'est-à-dire que Merci. mettez-moi un objectif, sinon je vous jure que je vais pas trouver Foulade. Vous êtes Foulade? Comment va Nour, l'aigle courageux? Va-t-il tomber ou s'élever? Tu vas t'élever, Yassadi. Merci. Je tue. Oh. Oui, merci. Au Ça va, ça revoir. va, Reihan. Attends, il avait demandé, as-tu vu machin? T'as vu Foulade? Il aurait pu te le dire. Ah merde! Il veut plus parler. Eh ben si c'est comme ça, je te parle plus. Noble pêcheur. Bon. Bah c'est apparemment c'était le seul mec qui savait où était Foulade, je déconne. Putain, mais y'a personne qui sait où est Foulade? Ah! Ah, C'est vous Foulade savez ça! où est Foulade? Bonjour Tabid. Bonjour Ah non. Basim. Que t'arrive-t-il? À vrai dire, je me sens frustré. L'ordre ne cesse de se renforcer à Bagdad depuis le décès du calife. Et nous. Ouais. Mentor Ryan, c'est certainement ce qu'il fait. Il D'accord. manque peut-être de confiance. Probablement, oui. Je cherche Foulade. Aurais-tu vu Foulade? Il doit être dans son bureau, comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, je dois me remettre au Il va Aïe! partir! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il s'est fait mal au crabe. Ouais, c'est vrai. Du coup, il est dans son bureau. Eh ben, je vais à son bureau. Suce sa foulade.
Ah, c'est tout là-haut. Après, tu peux escalader, hein. Ouais, oui, regarde. T'es en formation templier. Paf, c'est trop simple. Oh là. Et ça se passe, j'ai peur de dire une bêtise, ça se passe en Irak ? Ça se passe à Bagdad, tout à fait. Bien vu, ça. Tu as reconnu l'Irak ? Dis-moi. Non, c'est parce que il a dit Bagdad, et c'est pour ça que j'ai peur de dire une bêtise. C'est moi qui ai fait ça, et pas Al-Hassan, ou pire, Abu Jafar. Je plaisante, bien sûr. Wadan. Ah, Basim, comment vas-tu ? Oui, Enkidu, tu vas manger. Ça va être le mien. Intelligent. Et l'intelligence est censée. Ça va être le mien. Avec patience. Regarde, ah oui, c'est vrai qu'on est censé avoir un aigle. On a une connexion, c'est le mien. Je rappelle quelqu'un. N'aurais-tu pas parlé à Maître Roshan ? Sois patient. Veille à faire des progrès. Je m'y applique sans cesse. Roshan m'a demandé. Qui fait genre, il est arabe, il s'appelle Frédéric dans la vraie vie. Oui. Il vient d'arriver. Oui. Il essaie de s'intégrer discrètement. Choukran, comment vont les loukoum aujourd'hui? Trouver des lanières de cuir. Bah, c'est intéressant ça. On y va. Mais c'est la quête. Donc, c'est la quête principale. Tu t'es fait avancer dans le jeu pour qu'on trouve une quête, trouver des lanières de cuir. Il m'a dit joue 45 minutes, mets-moi au moment où on doit trouver les lanières de cuir là, ça va plaire au stream. Ce n'est pas ça. Là, c'est pas du cuir. Non. Pas, la quête. Pas du cuir non plus. Oh, c'est probablement. N'oublie pas les plumes. Foulade. Ai-je soin de rappeler au bureau de Bagdad. Non, bah c'est bon. Je me demandais en combien de mots il allait me stopper. Non. Non, bah, j'ai vu la longueur du texte là. Je crois qu'il y a eu 7 ou 8 mots avant qu'il pète un plomb. Ah, c'est bon, on a les lanières de cuir. Commence à peser lourdement sur nous. Des forces. Tu veux parler de l'ordre, Aban? Je. Mais ils sont beaux mes cheveux. Je ne peux parler que ce dont j'ai connaissance. Bah, c'est clair que c'est pas Hairdresser Simulator qui les a fait. Hein. Là, c'est bien fait. Et vous persistez à les soutenir. Eh, mais on n'y pense pas, mais en fait, tous les mecs qui font des modèles 3D, ils font des putains de coupes de cheveux. Bah, ouais, il faut les coiffer tous ces personnages. Bah, ouais, j'ai jamais pensé. Maintenant que j'ai joué Hairdresser Simulator, je viens d'y penser, mais. Est-ce qu'il y a des coupes de cheveux à chacun ? Est-ce qu'il y a des coiffeurs en jeu vidéo, genre ? Mais oui, je pense, tu dois avoir un métier, non ? Tu sais, ils passent dans les studios. Des cheveux et de la barbe. Ils ont 3 jours où ils coiffent tous les personnages. On leur livre que des chauves. Voilà. La situation évolue vite à Bagdad. Vous risquez de devoir agir plus tôt que prévu. J'entends bien tes pas. Oh, ça s'arrête comme ça. Prof qui fait genre, il a pas été sur Wikipédia, il fait croire qu'il a de la culture. Ça doit se passer en Irak durant l'ère du califat abbasside au 8e siècle. Oui, allez. Oh, l'escroc. Mais bien sûr, on y croit. L'escroc total. Unique protection d'Alamoud contre une attaque d'ampleur. Émoji lunettes dans de lapin. Combien de temps durera-t-elle ? De par les vêtements et les technologies, je dirais qu'on est au 8e siècle à Bagdad. Alors, comment se passent les travaux ? Ah, c'est plus long qu'on ne le prévoyait, Eya Saidi. Cela doit être agassant. Je m'appelle pas Eya Saidi. Ryan est un homme sage. Mais je vois personne ne sait comment je m'appelle. Si nous étions destinés à bâtir ici. Vous m'appelez Hmar depuis tout à l'heure. Assumez dans mon prénom, enfin. C'est faux. Roshan dit toujours qu'on ne doit pas se hâter de retourner à Madinat al-Salam. Je prendrai moi aussi mon temps. Bagdad a bien changé. Cette ville grouille de danger. C'est vrai. J'y vais. Non, la corde. Non. Oh là là, je connais un qui est en mode. Couteau de lancer, voilà, piller les coffres. Déjà, je vais te prendre tout ce que t'as, déjà que je t'ai pas écouté. Combien ? Bah, y'a plus rien. Zéro à tout. Je vais pas mentir, hein. Moi, le seul truc que j'ai dans Assassin's Creed, c'est me balader, sauter de toi en toi et tuer des gens, hein. Votre et histoire, ouais. Je m'en prends le complet. C'est pour ça que. Oh non, la formation au couteau de lancer. Mais tu m'as vraiment emmené un espèce de connard au moment des tutos. Moi, on m'a donné ma tenue, je me suis dit, c'est bon. Couteau de lancer. Regarde. Je savais, j'ai voulu te ménager, je t'ai dit, bon, moi, ça doit être bon, ça a tenu. Je t'avais dit, c'était une heure et demie. Ah, tu me donnes envie de m'entraîner davantage. Ah, tu me donnes envie. Ah, tu me donnes envie de coucher avec un homme, je ne sais pas pourquoi. Ah, mince. C'est bon, j'ai passé ma formation. T'as tout fait péter là, c'est bon. Rejoindre le lieu d'entraînement. D'accord.
Et hop, je te pousse. Arrête de pousser tout le monde par contre. Ah, gueule. C'est pas du tout par là le lieu d'entraînement. Je sais pas où c'est en fait. Faut grimper. Ah, mais moi je veux voir la grande ville de Bagdad là. On nous l'a montré dans les trailers depuis des mois. Et bah on y était au début et on n'y est plus. Là on dirait qu'on est dans un décor de Star Wars. On y était au début et là on n'y est plus, c'est dommage hein. T'aurais pas dû me dire de jouer, t'aurais vu Bagdad. Putain, comment je vais monter là-haut ? Oh le bordel ! Ah c'est mort, je ne vois rien là. Ouais non. Ah on aurait dit hein. Il y avait des petites rainures. Il y a de la rainure mais... Mais ça se grimpe pas. J'ai pas l'impression que ce soit par là quoi. Et comment tu vas grimper ? Chier. Bah ouais, je me demande. J'en sais rien franchement. Là, un petit effort là. Dommage, j'avais une impulsion. J'étais bien. Eh, hey, fais un effort. T'as pas une carte qui te dit quel chemin emprunter ? Il est trop nul. Bah en fait, j'ai mon radar qui me dit que c'est à 63 mètres là-haut quoi. Et, mais t'as pas de carte. Une carte. Tiens, bah regarde, ça répond à ta question. Bah c'est vrai qu'il faut faire tout le tour. Ça va par là, ensuite ça va par là, ensuite. Ça va. Mais merde, c'était avant, t'as raté. Ah, il y a peut-être genre de tyrolienne, enfin une corde qui te fait grimper tout en haut, comme à l'ancienne. Ah, c'est là. Ah, oh, oh, c'est oh, là, oui. C'est là. Trouvé. Et donc les habitants empruntent ce chemin quand ils veulent aller en haut aussi. Oui, c'est très pratique. Ça va. On n'avait pas encore inventé l'ascenseur à l'époque. Tous les anciens du village passent par là. Même la vieille fumeuse de clope. Hein. Ah bah yes, je vous parle pas. Ah. Bah voilà. Ah bien, faut être en forme et pas avoir peur. Ouais, il est chaud là. Oui, bon, bah personne n'y va. En gros, personne n'y va. C'est, non, mais bah là, c'est. Là, c'est quoi le bureau de machin, là, de foulade. Ah, c'est le lieu d'entraînement. Beau travail. À demain. À demain. Basim, il est temps de t'entraîner au combat. Que Rebecca me remette ceci m'a étonné. Une épée n'est-elle pas une arme grossière pour un membre de ceux qu'on ne voit pas? Ceux qu'on ne voit pas doivent savoir manier de nombreuses armes. Après tout, un combat peut avoir mille visages. Tu vas pas te battre contre la vie quand même. Qui peut brandir une épée? Non, elle est trop forte. Comment, oh là là. Elle a vécu des choses difficiles, hein. Je suis là pour apprendre. Putain. Es-tu vraiment là? Allez, c'est bon. Es-tu vraiment là? Allez, ah, bon. Elle sait. Elle sait que je suis dans l'animus. Ou alors il n'y a plus d'animus. Je pense qu'il n'y a pas d'animus, hein. Ah, je sais pas, j'ai pas fait le début du jeu, il n'y a pas d'animus. Non, juste il fait des cauchemars. Non, en gros, il fait des cauchemars où il voit un monstre. À part ça, il y a rien de spécial. Il y a peut-être plus d'animus dans Assassin's Creed depuis longtemps. Hein. Allez, je vais lui éclater mais la gueule. Tu vas battre contre la vieille à la fumeuse là. Tiens. Oh. N'offre jamais ton dos à un adversaire. Ah ouais, il y a un couteau de lancer, qu'est-ce t'en dis ? Oui, c'est mieux. Commence par me montrer tes coups rapides. D'accord. Bien. Encore ? J'ai compris. Excellent. Il faut parfois appliquer là, plus je peux de parer. Force à une attaque afin de causer davantage de dégâts. Yeah. Cela fera baisser ta garde. Alors, oh oui, bah oui, putain. Bon, vas-y. J'ai compris. Oui, c'est ça. Vous êtes en train de foutre des grands coups de chasse à une vieille. Hein. Je maintiens qu'elle d'avoir maximum 38 ans ou un truc comme ça. Mais non, je te jure. Elle a des traits fatigués. Je trouve qu'elle fait jeune pour son âge. Mais en réalité, ah, elle a 55 ans. Elle avait des rides. C'est vrai qu'elle avait des rides. Vas-y. Bah vas-y. Comme ça. Trop lente, la vieille. Tu dis ça à ton mentor. Vieille croulante. Oui. C'est bien. Trop lente, crouton. Je vois toutes tes attaques. Excellent. Il est plus impossible ton âge. De préparer certaines attaques qu'il faut alors esquiver. Prépare-toi. Donne-moi la touche alors, hein. Ouais.
beau travail. Comment je vais jamais le faire? Tu as de la chance qu'on soit au 8e siècle. C'est ça, parce oui. que sinon, sous l'ère Macron, l'âge de la retraite aurait été poussé. Tu ne combattrais plus oui, alors qu'il est. Tu n'aurais pas de métier, tu planterais des choux. Sers-toi de ce que tu as appris. Ok, je vais te défoncer. Mais tu... bah, il va vraiment défoncer la vieille. Tu as réussi. Je vais rater ma phrase. J'annule ma blague. L'endurance est épuisée. Dommage. Mais alors que faire? Faut faire des parades. Ah, dommage. Bah alors pardi. Oh là, oh là. Tu es devenue rapide, la vieille. Allez, je vois qu'il faut pas l'énerver. Ah, nul. T'en as de la vie, la vieille. Je ne m'y attendais pas. On arrête. Je suis essoufflé. On arrête. Pause clope. C'est tout pour aujourd'hui, Basile. Pourquoi s'arrêter? L'échec ne m'apprend rien. L'apprentissage exige action et calme, à parts égales. Tu as pratiqué l'action. Cherche à présent le calme. Ne presse pas les choses. Sois patient. L'échec fait partie des progrès. Médite sur ces paroles et reviens me préparer. Oui, mais... Reviens me voir quand tu mangeras... Ah, t'es la blague. À plus tard. C'est la blague, je savais pas où est-ce que t'allais. Complètement... Complètement raté là, moi j'annule, non mais là j'annule. bon, allez, on annule tous les deux, pas d'épisode sur cette vidéo. Y a plus de blague, moi c'est dur là. Armad va bientôt regagner la maison de la sagesse. Je crains qu'il ne se retrouve au cœur d'un nid de serpents. Ah, mais je peux je faire sais B. À quel point tu es proche de ton frère. Ah, je peux encore faire Salam B. Alaikum, Abu Jafar. Oui. Mais je ne m'appelle pas c'est comme Ahmad. Ça. Ahmad. Oui, mes excuses. Ce n'est rien. Notre frère Ahmad doit nous quitter demain. Pour Bagdad, la maison de la sagesse. La maison de la sagesse? Nous y avons travaillé. J'accomplirai mon foulard. Je lui ai laissé du temps, mais il a pas parlé assez vite. L'histoire de la plume. On est allé, on écoute l'histoire de la plume. Notre tradition oh, de la putain. Plume vient d'Égypte. Écoute bien l'histoire de la plume. Elle représente les plumes de Mahat. Était trempée, plongée de son décide. Ses plumes étaient laissées. C'est Bassim qui fait. Mais qui commence ce soir. On l'écoute même pas, il parle pas assez fort. Hey, ta gueule! Quelqu'un veut-il m'accompagner en patrouille ce soir? Non! Je vais venir avec toi, je t'en remercie. Mais, je vais aller à Bagdad! Ouais, on va à Bagdad? Tu viens, Bassim? Oui, mais à Bagdad! Puis-je te parler en toute confiance? Tu sais bien que oui. Mais attends, je suis persuadé que je suis désolé. Le doubleur du personnage principal. C'est pas celui qui fait la voix de Cartman? Wow! C'est pas la voix de Sam Gandhi? Sommes-nous en sécurité à Alamut? Je l'ignore. Hey, je plains ceux qui voudraient attaquer ce Nidek. Comment se passe la garde? Il ne se passe rien sur Alamut. Et mon estomac crie famine. Attends, on va voir, mais... Nous ne sommes pas allés jusqu'à la gorge principale. Ah, je sais Parfait. Pas. Nous allons commencer par là. Merci. Viens, nous. Suis-moi. Je parle plus. Alors, as-tu hâte de recevoir ton initiation? Oui, j'ai hâte. Regardez. Et j'ai l'impression de m'y être préparé pour trouver l'info. Ah, il y a un timbre de voix, là, que je retrouve. Je pense. Autant par excitation que par crainte, pour être tout à fait honnête. Nous avons tous peur de l'inconnu. Je trouve pas l'info. Putain. Mais celui qui nous attend après l'initiation est impressionnant. Tu peux parler de l'ordre? Pas sûr, mais je vois ce que tu veux dire, en fait. Attends, je vais vous augmenter un peu les dialogues, si vous les entendez pas. Bon, mais le chat, c'est horrible. On dirait pas. C'est lui. Oh, trop bien. On dirait. J'ai pas l'impression. J'en ai vu des gens indécis, mais... Bah, moi, j'ai une impression, genre, je vois un air, et en même temps, quand il continue à parler, je suis en mode, bah non. Voici Mourja. Oh, magnifique. Bientôt, tu en auras un, toi aussi. Je veux celui-ci. Oulad m'a présenté un aigle. Je veux le tien. Donne ton aigle. Nous avons beaucoup en commun. Mais
ce n'était pas un compliment. Elle a vu quelque chose. Nur, il s'appelle Nur. Je sais nul de s'appeler Nur. Oh, de l'infiltration. Trouve un endroit où te cacher. Non, non, regardez, j'ai appris des trucs. Ça. Ok. Voilà. Oh bah c'est bien appris. Attends-nous. Et voilà. Il faut frapper vite. D'accord. D'accord. Il nous faut attendre le bon moment. Hop. Hey, toi. Non, t'as rien vu. Hey. Tu voulais la sauver à distance, ça aurait fait quoi? Ah, il me proposait la touche, sérieux? Bah ouais, ça te faisait RB à sommer. Ouais, regarde. Bah là, je vais lui sauter dessus, on est tous morts. Comment on fait alors? On siffle. Mais je doute bien que c'est pas un lapin que fait ce bruit-là. Putain, il est monté d'un coup, je pensais qu'il allait faire le tour. Ah! Bon bah là, faut y aller là. Je prends une photo. Ah, vas-y, fais une photo. J'improvise. Vas-y, pour prendre ça en souvenir, ce serait quand même dommage de le louper. Elle est pas mal. Merci, on peut continuer. Attendez, bougez pas, souriez. Merci. C'est que je sais plus là. Ah oui, voilà, c'est bon. Ça change des cibles en bois, n'est-ce pas? Non, ah, ce c'est n'est ton pas premier ça. Massacre? Cette épée. Meurtre, pardon. First time? Voilà, dans, depuis le début du jeu, t'avais tué personne? Quoi, qu'a-t-elle donc? Non, j'avais jamais tué. Le maire de Bagdad emploie ses armes. Il faut avertir. J'avais assommé des mecs. Ok, assommé, c'est gentil. Tout le monde a déjà assommé quelqu'un dans sa vie. Tué, par contre, c'est rare. Ouais, un bon coup derrière la nuque, mais t'es en mode, oh non, il est pas mort, c'est juste. Des mercenaires de Bagdad. Comment le sais-tu? Ça doit être dur d'assommer quelqu'un. Bah, si, m'a reconnu le en réalité. J'en ai marre dans les films de voir des gens juste arriver et mettre un coup sur la tête. Fais et à chaque fois, ça assomme tout le monde en mode ils savaient que ça allait assommer. Arrêtez avec cette légende urbaine. Le mec est out pendant une heure, mais pas ça mort. Ça s'assomme pas facilement quelqu'un. Hein. C'est super dur. Je pense que si tu le fais, soit la personne soit meurt. Ouais, voilà. Soit il se passe rien, il est juste en mode ah. Ayant grandi dans les rues, déjà, il y a plus grand chance que ce mec fasse ah putain. Ah, ça m'a bien niqué. Peut-être. Je retourne. Va voir. Et c'est tout. Waf waf Oda Rakar. Il faisait le chien. Hein. Waf waf. Waf Rakar. Ah. Wow. Oh. Assassin's Creed Mirage. Disponible sur l'Epic Game Store. Des combats épiques. Retrouver tout de suite à l'achat. Une bande son à vous couper le souffle. Une histoire, un aigle, un homme, un code, créateur Rankin. J'ai volé l'aigle là, c'est le mien là, ça y est. Oh, donne-moi ta robe. Ah bon? Je veux devenir un templier là, c'est bon. Ah oui, pardon. Oh, pardon. qui prend quoi? Alors, on est en train de faire un bond dans le temps pour montrer que t'as... C'est bon, t'as appris à être un assassin. Vaut mieux le mettre en cinématique parce qu'à mon avis, je me bats pas comme ça. C'est ma fumeuse de clope? Oui. C'est bon, il est à nous? Ouais, je crois. Y'a plus de doute. On a fini son enseignement. On fume 3 paquets par jour, sans filtre. Gitan only. Oui, d'ailleurs, un truc. Oh, mais la vache, t'as vraiment sauté sans savoir. J'ai vu un vague truc. Je pense qu'il y a déjà des gens qui ont essayé de sauter depuis des dizaines de mètres dans une botte de paille en se disant dans Assassin's Creed ça marche. Ou dans des poubelles, comme dans les films.
Non, bah ça, à part dans The Office, j'ai jamais vu quelqu'un sauter dans une poubelle. Quelqu'un a déjà sauté dans une poubelle? Je sais pas pourquoi, je pense que oui. Non, dans du foin, faut être con, ça fait peur. Mais non, mais y'a des gens qui doivent se dire, alors, s'ils font ça dans le jeu vidéo, c'est que ça marche dans la vraie vie. Parce que ça amortit la chute. Étrange, là, oui, bah ouais, je vois bien. Mais... Mon esprit est plus calme que je l'aurais imaginé. Je m'attendais à une tempête intérieure. Mm-hmm. C'est parce que tu t'es appliqué lors de ton instruction et n'a rien les tiens, Basim. La tête de con qu'il a, lui. Pardon, hein. C'est un grand. Je suis désolé si c'est basé sur un vrai personnage de la vraie vie. Bah, c'est juste un acteur qui essaye de s'en sortir, comme tout le monde. Hein. Apparemment, c'est... c'est le physique qu'on trouve. Apparemment, toi, la grève d'acteur, t'en as rien à foutre, de toute façon. Bon, tant pis. En plus, c'est un acteur français, je crois, et puis il adore nos streams, donc... On est sur le chat, là, d'ailleurs. Bah, super. Ouais. Bah, t'as qu'à lui dire ce que tu penses de lui directement, là, il nous entend. C'est génial. Bonjour, mes braves. Comment te sens-tu, Basim? Prêt à faire ce grand saut? Je tiens à ce que tu saches que ça a été un honneur de te voir suivre la voie de novice et devenir un homme. Je te suis reconnaissant, Fulan, de m'avoir montré le chemin. Vous parlez avec des grandes J'en formules et très lentement. Viens. Mais n'hésite pas à skipper, hein. Si je m'excuse auprès de toutes les personnes qui veulent suivre l'histoire. Je m'entends pas de le fion, hein. C'est pas en discutant qu'on ira à Bagdad. Je suis. Bon, regardez, c'est très joli cette grotte. Ça, c'est très joli, cependant. On peut courir, par contre. Non. J'étais effrayé. Bon. Et bah, profitons dans cette grotte. Profitons bien de la grotte. Heureusement qu'elle est jolie. Bon, ta grotte, elle me fait chier. Tibur. Oh la chance. Faut que j'aille chercher des Kinder. J'ai pas encore trouvé de robot qui m'apporte mes petits gâteaux. Un robot qui te fait des petits gâteaux. Ah, qu'il me les fait, c'est encore mieux, mais je voulais juste qu'il me les apporte. Et après, il te les jette comme ça. Tu mets du chocolat et de la gaufrette, après, il fait. Pardon pour le bruit, hein. Non mais, j'ai sous-estimé le goût des petits beurres, mais quand même. Des petits beurres, tout juste des petits beurres. Ouais, juste des petits beurres en fait. Moi j'aimais bien les galettes Saint-Michel, dans le genre simple. Ouais, c'est bon les galettes Saint-Michel, c'est vrai, c'était chez mes grands-parents, mais hey, te fais c'est pas sympa avoir. Quand même. J'ai trouvé dans un supermarché des galettes Saint-Michel, genre, c'est deux galettes Saint-Michel, une de chaque côté, et au milieu c'est genre, je sais plus, soit du chocolat, soit une crème, je sais plus, mais je me suis dit... Super idée, genre. Deux galettes Saint-Michel, un fourrage au milieu, ça peut que bien se passer. N'importe quoi. T'ouvres le truc. Pourquoi c'est forcément bon. T'ouvres le truc, le design des galettes Saint-Michel, déjà tu retrouves pas vraiment ta galette Saint-Michel. Et en plus, elles ont même pas le même goût que les galettes Saint-Michel. Donc ça commence à m'énerver. Je vais savoir de quoi je parle, mais. Donc là j'ai rien dit au début, mais là c'est bon. Non, mais j'en parle parce que ça m'énerve. À renoncer à tout ce que tu as cru être. Alors, sachez que cette cinématique est tellement importante que je peux pas la skip. Donc je pense qu'on va devenir un templier. Ce qui t'était cher. Oh, toi, tu veux même pas voir quand on devient un templier, t'en as rien à foutre. Non, je veux la Bagdad. C'est le mec au ciné quand il commence à parler avec ses gâteaux, il est... Mais battez-vous. Assassin. Oui, assassin, pas templier. Écoutez, alors, oh là là, les nerds du chat, j'ai jamais joué à votre jeu, d'accord? C'est vous qui êtes fan de la musique de Norman, assassin des templiers, mais nous, on l'a pas écouté, donc on se souvient pas que c'est des templiers qu'on chasse. Dans vos playlists depuis 2013. Hein. Vous êtes fait bien baiser à l'époque. Hein. Ah, il a fait de la musique parce qu'il est fan. Ah, la grosse OP, il a payé 200 000 euros. Ah, oh, il aime trop le jeu. Hey, je savais pas. Attends, non! Ça fait chier! Quoi? Ah non. Deux? Ah non, bah non! Les deux? On peut pas se couper le bout de la bite plutôt? Moi je veux bien me couper genre. Un lobe d'oreille. Oh, c'est. Oh non, c'est ça va faire. Bah ouais, mais bon, t'as un truc qui va pas faire mal! Non mais attendez! Vous allez pas me dire que dans Assassin's Creed on se coupe ses deux doigts? C'est trop important comme doigt comme ça! Allez, 3, 2, 1.
Non. Attends, t'es trop con. Apparemment, c'est que un. Elle t'a fait deux pour le prix d'un. Elle m'a arnaqué, la connasse. T'as baisé. Eh, comme t'es bon, tu vas en faire deux. Alors. Et on te le rendra plus tard. La voix de l'aigle. Les connards. Faites voir ma main. C'est pour que la lame secrète passe. Mais dans ce cas-là, je préfère prendre le risque de me couper les doigts avec la lame plutôt que d'office les couper. Ah, c'est bon. On a coupé qu'un doigt. Bienvenue chez ceux qu'on ne voit pas. Tu es mort. Comment s'est passée ta gangrène? C'est abusé. C'est horrible leur truc. En tant qu'égal. Oh non. Les combats, mon point faible. Soyez clémente, madame. Attention, je suis pas prêt. Coup chargé. Oh putain. Tu laisses de nouveau la colère l'emporter. Je suis arrêté par la police de Bagdad et qui voit que t'as un annulaire coupé. Faut savoir que t'es un assassin. Bah ouais, c'est un indice de ouf quand même. C'est aussi con que les mecs qui font partie d'un gang et qui se font tatouer le motif de leur gang. Je veux dire, ils sont débiles. Ouah, vous êtes rapide, les dames. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'as une vilaine colique? Qu'est-ce que tu veux? On m'a dit de m'amputer le doigt, j'ai compris le foie. Ah, aidez-moi. J'ai pas compris. Lâche-toi surtout. Conserve tes forces. Et la voyager léger. Quittez Bagdad en toute hâte. Ah bah non, nous on veut aller à Bagdad. Bois. Ali. Il a disparu. On l'a emmené en pleine nuit. Ne mange pas les galettes Saint-Michel, fouet. Il l'a emmené. C'est de l'arnaque. Achète pas les Kinder Cards, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Oh. Qu'on l'amène dans ma tente. La gaufre a disparu. Nous voici avec. L'ordre a jeté un poil sur Bagdad et ses actions. Nous devons aller à Bagdad. Roshan, Basim, accompagnez Fulan. C'est ma dernière. Partez sur le champ. Eh, ils sont pifres, hein. Ah, le porc. C'est pas le jeu, ça. Quoi? Ça, c'est pas le jeu. Je sais reconnaître un truc en 3D généré quand j'en vois un. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est lui. J'arrive bien chanter en arabe, mais je connais aucune musique. Fais un effort. Ok. Tellement je t'aime, je pense à toi. Oh putain. Alors là, je n'y attendais pas. Là, tu m'as pris de court. Oh, j'espère qu'on va vivre une tempête de sable. Ah ouais, trop cool. Ça va être trop bien de bouffer du sable. Toi, ça te fait les déserts, genre. Ça te tirait visiter un désert, genre. Vraiment, je voyager pour comprends pas trop. Pour de mon point de vue, pas du tout, mais je comprends même pas trop les gens qui ont trop envie d'aller dans le désert quand tu vois juste vraiment le désert. Franchement, ça me fait chier, quoi. Ça m'emmerde. Genre, y a rien à regarder. En plus, les gens qui disent c'est magnifique. La vérité, c'est la vérité. C'est des dunes de sable. À perte de vue, y a rien d'autre que ça. Je vois pas pourquoi c'est censé être fascinant. On est arrivé à Bagdad. C'est pollué, hein, c'est hyper pollué. On voit mal la vie. Les mecs qui critiquent tout. Tu sais, le jeu vient de eh, c'est pollué, mais le sable, franchement, c'est chiant le sable. Hein. C'est possible. Je désire voir Bagdad. En plus, c'est très mal desservi. On a fait 3 jours de chameau pour arriver. Enfin bref, c'est une catastrophe. Ah, puis Vatro, c'est quoi Vatro? Beaucoup à faire une fois à Harbiya. Cherche une cour couverte de treillage près de la mosquée de Shari. C'est là que nous recueillons ces informations. Attention, les chameaux avaient des ombres carrées. Si je peux me permettre.
Chaque sabot avait une ombre carrée. Ah, elles sont devenues correctes. Bravo. Je peux y aller à chameau ? C'est... Où mon cœur va-t-il ? Oui ! Oh, on a le droit de prendre le chameau ? Putain, trop bien ! Eh, Ubisoft Connect là, plus grosse vos alertes encore sur l'écran ? C'est possible ? Je voudrais qu'elle recouvre tout l'écran. Je me demande si j'ai accompli un défi principal. Ya ! Ya ! Ok, t'es prêt à répondre rapidement parce que tu dois pas tricher. Un chameau, ça a combien de boss ? Une. Un dromadaire ? Deux. Un éléphant ? Trois. Bon, il est idiot. Voilà, je peux pas rien faire. Je peux pas récupérer. Il est nul. Bon. Alors, tu savais que le dessinateur du logo Camel, il s'était trompé. Tout faux. Et merde, j'avais une chance sur deux, j'ai tout raté. C'est pas de chance, hein. Montre-moi donc ce que j'ai manqué. Je savais pas non plus. Ouais, j'oublie tout le temps, en fait. Il y a la fameuse technique, hein, mais j'oublie tout le temps. Je sais plus, en fait, à chaque fois, je sais plus si le moins de syllabes, c'est le moins de boss. Ou alors si deux syllabes égale deux boss, et l'autre égale l'autre truc. Pour moi, dromadaire, 2D, c'est deux boss. Ouais, mais du coup, c'est faux. Bah, c'est pour ça que je me trompe. C'est dommage d'avoir une technique qui est fausse. C'est une technique parfaite, mais qui marche pas pour le bon résultat. Putain, elle est super, genre, mais c'est-à-dire qu'il y a un connard un jour qui t'a dit, tu sais que dans Dromadaire, il y avait 2D, et donc c'était deux boss. Guide-moi. Ah, guide-nous. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais. Qu'est-ce qu'il veut qu'on... Si ça se resserre, c'est que si ça se resserre sur une cible. Ouais. Et il faut qu'elle soit genre... C'est là. Voilà. Ok. Merci Arbia. J'ai pris ce nom au hasard. J'écrase les gens, hein. Mais t'as le droit de te balader à d'autres chameaux ? Pas sûr que ce soit. À faire. Bah, vas-y, c'est un vendeur d'esclaves, il y a peut-être de bonnes affaires à faire. Oh, un esclave, j'en avais justement besoin. Je ne sais pas descendre de mon dromadaire, donc on va devoir parler comme ça. Bon bah, on va marchander comme ça. Vous êtes en mon dromadaire là-bas. Putain, je sais pas descendre. Il s'est cassé la gueule, je sais pas ce qu'il fait. Sa vie, hein. Bon, allez, on y va, là. Comment je descends ? Je vais péter un plomb. Je suis claustrophobe sur mon dromadaire. Ah ! C'est moins que GTA, tu as ce triangle, là. Contrôle. Ouais, vous jouez au clavier, vous... C'est pas touche ça. De crouch. La touche de crouch. Ah ouais, c'est logique. Je lui mets une claque. Ouais, tu devrais vendre une tarte aux gosses. Paf. Excuse-moi les gosses, pardon, je voudrais passer. Mais les gosses, ça vole dans les marchés et tout, c'est suspect les gosses. C'est de la saloperie, hein. Ouais. Alors fais très très attention parce qu'au souk, il faut toujours marchander. Ouais, ça me casserait les couilles au plus haut point. Moi je veux un truc. Pas à l'aise socialement. Tu me dis quoi ? C'est 2000 dinars ? Je paye 2000 dinars. Ça en vaut 10 ? C'est pas grave. Je trouve à l'aise. Mais ouais, genre j'ai pas envie de quasiment m'engueuler avec quelqu'un pour réduire un peu le prix. Genre je peux pas faire ça. Genre c'est chiant. Peu importe. Puis tu dois lutter pour avoir des trucs là. Ce qui compte est que notre présence demeure un secret. Trop relou. J'aurais pas l'impression de passer pour un crevard en plus. Sois prudent. Et puis j'ai pas envie que ça fasse comme dans Les Bronzés où tu tentes de négocier et le mec te dit juste non. Bah non. Bah non en fait, c'est le prix. Et sur Vinted, quand ils veulent négocier avec toi, tu dis quoi ? Tu dis bah non ? Ah, je réponds pas. Alors moi, alors attends, dans quel sens ? Quand c'est moi qui demande à négocier ? Bah non, quand tu vends des trucs et qu'il y a un mec qui te dit ouais, mais par contre... Oh non, je réponds même pas. Pour 10 balles. Je réponds pas. Par contre,
Quand c'est moi qui cherche un truc à négocier, je propose. Et si le mec me dit que c'est pas possible ou quoi, je fais d'accord, pas de problème. Ok, ça marche, je voulais juste savoir. Et après, je me dis, il y a une chance sur deux qui reviennent vers moi pour dire bon, d'accord. Ouais, j'avoue. Puis qui sait, vu qu'il voulait le truc, au final. Le pire, c'est les gens qui doivent négocier pour de la merde. Je pense que ça doit énerver trop de gens qui revendent sur des sites comme ça. Les gens, tu sais, t'es là, tu brades un truc. Genre vraiment, tu brades en mode ça vaut plus rien. Et t'as quand même des gens qui vont essayer de gratter 2 balles, tu vois. Alors que le truc de base, genre je sais pas, il en vaut 50, tu le revends 10. T'as quand même un mec qui veut dire 8. Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Pour 1 ou 2 balles, tout. C'est juste histoire de. C'est pour négocier, quoi. C'est... Ouais. Bon, qu'est-ce que je dois faire? C'est qui ça? En fait, c'était à l'intérieur, je devais lui parler. Ah, on va piller quand même. Voilà. Y'a que ça. Typical Vinted, ça. C'est relou. C'est juste chiant, hein. As-tu autre chose à me dire au sujet du quartier de Shari? En quoi a-t-il... Merci. Bah, j'ai pas compris ce qu'ils ont dit, alors là... On va à la teinturerie. Et voilà, c'est ça, ça s'écrit. Hein. Des petites courses et puis un peu de tourisme et puis. Lanière de cuir, teinturerie, bon bah voilà. Vous avez fait le tour. Au moins maintenant, on peut sauter sur les toits. Oui, mais c'est quand même l'essence du jeu. Ça va? Oh, le démon sort de moi. T'as le droit de monter sur le toit. Et voilà. Et je vais où? J'avais pas un objectif avant, moi? Suivre la piste de Nour. Putain. Bah, faut que t'ailles à la teinturerie, mais c'est où? Ne plus suivre. Je veux... Oh, peut-être que je regarde avec mon aigle. Et mon aigle, c'était... Mon aigle, c'était... La touche. C'était la touche... Ah bah ça, c'est quand on suit pas le tuto qu'on sait pas. C'était la touche... Flèche du haut. Oh bah alors là... Ah bah, ça c'est quasiment one shot, ça. C'est du bon boulot. Oh merde, y'a pas... Faut regarder avant de sauter. Qu'est-ce que c'est que ces petits trucs là? Ah, c'est des poules. Ah non, c'est un chat, mais des ça, poules. C'est un chat. Ah, normalement, ils sont tout mignons. Tout à l'heure, ils étaient tout mignons, ils se mettaient par terre et ils se mettaient en boule. Bah là, il veut peut-être se mettre. Oh, il veut. Vas-y. Viens. Oh, con de chat, va. Je vais t'attraper, je vais te tuer. Je vais. Le gros taré. Je vais te triper. Bon, oh, c'est bon. Oh, tu... oh, 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 oui. 10 sur 10. Ça, c'est un chat qui est tout mignon, alors ça. Oh, il ronronne et tout, ouais! Ça c'est. Oui! T'étais à ça de les triper quand même, hein? Ouais, mais c'était une manière de parler. Dérobé! Dérobé? Excusez-moi, la petite bourse là. Dérobed. Oh, ça je reconnais. Bah, ça bouge plus l'écran Discord? Quand ça bouge plus comme ça. Ah d'accord, je croyais que c'était. Quand... Je croyais que c'était moi. À mon avis là, un clic gauche. Ouh là. Un clic gauche et c'est terminé. Un clic gauche et c'est l'écran qui tourne. Oh là là, c'est là. Tout blanc. Non. Un même... clic. Ouais, là c'est. Ouh. Est-ce que c'est pas une manière maligne de punir le vol? C'est pour montrer les bonnes valeurs. On ne vole tu pas. Tu as voulu voler, Koufar. On ne dérobe pas à autrui. J'aimerais sortir. J'aimerais qu'on me laisse tranquille. Et donc là, oh d'accord. Là, bah j'ai appris la leçon. Je ne volerai plus. Alors je crois qu'ils ont fait un système où plus tu commets de crimes dans la ville, plus t'es recherché avec des affiches de ta tête en tant que recherché.
Ouais. Et tu peux arracher ces affiches que tu croises dans la ville pour faire baisser ton indice de recherche. C'est stylé. Mais est-ce que Ouais, c'est c'est très vrai? stylé ça. J'aurais pas inventé une anecdote comme ça, parce que c'est un peu nul comme anecdote, c'était T'as une faux, tu fâcheuse vois. habitude à raconter des mensonges et à t'en défendre après, genre à insister, tu vois. Non, le chat, vous confirmez? Le chat est super chiant parce que tu dis un truc vrai, mais ils sont juste en mode c'est depuis Assassin's Creed 2, ça en fait. Donc, Bon, d'accord, ouais, c'est bon. c'est qu'ils sont avec toi, mais ils sont juste trop chiants dans la manière de le dire en Ouais. fait. Rassure-moi, le jeu se lance. Oui. On est sur les intros là. Alors. Tu n'oublieras pas de me partager. Mais je n'oublie jamais. Vraiment, c'est. Ça me D'accord. ferait chier d'oublier. C'est depuis AC2, couillon. Je vais pas m'énerver, ça servira à rien de toute façon. Bon bah je vais me foutre en l'air. Ouais bah non parce que tu le savais? Non tu le savais pas, donc je t'ai appris quelque chose et moi j'ai appris quelque chose aussi. On Moi? a tous les deux appris quelque chose. Oh bah je le savais, je voulais pas te vexer. Merci Alexandre pour ta display. Oh merci Alexandre. C'est humiliant, couillon. Ouais. Je trouve. Pour ça, j'ai pas trop aimé. Enkidu indisponible. C'est Ça, c'est dommage. malin, c'est pas assez blessant pour que j'aille le bannir moi-même. Ouais. Couillon. Couillon. Il vient de me mettre une pichenette sur le bout du nez, mais il m'a souri Ouais. quand même. Voilà. Ah, couillon alors. Dio. Examine les lieux. Bah, t'as oublié où il était? Couillon. Ça me fait pas plaisir et en même temps ça m'énerve pas, t'as raison. Je suis pas énervé. Ah bah c'est une sacrée teinturerie ça. Ce n'est pas Sajjad qui a donné la charge contre les émeutiers. C'est moi. Il était trop occupé. Oh le bordel. Oh la vache. Waouh. Waouh. En train de foutre tes pieds dans les teintures partout, les grosses empreintes Et là, multicolores. on voit pas. Oh, ils auraient dû faire ce petit détail si je peux me permettre. Un petit Vous instant. voulez des empreintes de pas de couleur? Ouais, un petit peu. Louis? Pour le fun. Basim? Azizi! Moi qui te croyais mort! Azizi? Un zizi! Un zizi! C'est un truc qu'ils disent là-bas? Qu'est-ce que tu fais là? Tu parles trop lentement. tu la fermes. Oh, tu t'en vas. Au revoir, Fiat. Des fois, quand je rigole un peu, ça bouge mon cuir chevelu. Est-ce que là, tu peux faire. Vas-y, tu sais, hausse tes sourcils d'un coup. Ah, ouais. Oh non, hein. On évite, hein, ça. Et si tu les fronces, c'est pareil. Ça va. Je Donc, peux m'énerver. Peux pas faire Voilà, le je préfère m'énerver. Tu peux pas faire le mec étonné. Genre, Non, enfin je peux, mais c'est pas agréable d'être étonné là. Je préfère être énervé là. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'avec leur teinturerie à la con, ils nous polluent la rivière. Mais ouais, c'est dégueulasse. Ils rejettent ça dans. Bah oui, non, mais c'est dans super le malin fleuve. Ça, bravo. Bah oui, vous savez, le fleuve qui passe à Bagdad. Ils rejettent Bah ça oui, là-dedans. Le fleuve. Dans le. Bah oui. Ce Le fleuve de Bagdad. Ce fleuve qui s'appelle. Al-Kabur. Il aurait pu dire Al Jazeera, c'est la même chose. Tu peux marcher plus vite? Pardon. Agaçant. Pardon, pardon, j'avance, j'avance. 230 mètres. Le tigre. Ce qui est marrant, c'est que vous avez envoyé énormément de mauvaises réponses et le temps que vous alliez sur Google, ça y est, tout le monde a spammé le tigre. On vous voit, hein. Mais c'est ça à chaque fois, qu'est-ce que tu crois? Vous êtes d'une naïveté, vous pensez qu'on le voit pas? Ce que vous faites là? Le problème, c'est que non seulement ce sont des ignares, mais ce sont des ignares qui ne s'assument pas. Ouais,
Vous faites genre, en fait. Vous donnez un genre. Enfin, toi, t'as de la chance qu'il sente sous, hein. Parce que ouais. T'as sauté sans savoir. Mais ça, le jeu est bien fait. Moi, je fais confiance au level designer, c'est tout. Ta gueule, on viendra pas. Le calife, c'est le roi? Ouais. Voici l'avant-poste où il est élu? Non. Il faut le décapiter alors. Oula. Bah quoi, c'est comme la règle. C'est comme le fleuve, hein, j'en sais rien, tu sais. Mais bon. C'est comme le chat, j'ai un truc. Et puis, voilà. Écoute, j'ai regardé Is No Good avec Mickey Youn. Et le calife, il était super méchant. Le calife à la place du calife? Enfin, faut que je les écoute. C'est où ça, le calife à la place du calife? Ça te dit un truc? Non, 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 mais je suis caché. Il fallait que tu assassines la cible, en gros. J'aurais jamais dû. Oh, je crois que c'est dans la merde, là. Tout va bien. J'aurais jamais dû être ici. Non, regarde, c'était pour piller le coffre. Regarde les trésors. Écoutez les gardes. Et ils sont où? Là-haut, là. Bah là, t'as ta cible principale qui était là-bas. Je sais pas si c'était celui qu'il fallait écouter spécifiquement ou... Vite. Eh, j'ai compris le matériau d'amélioration que j'ai lu. Vous trouverez des matériaux d'amélioration. Pas vraiment, non. Oh, 19 lingots d'acier, bah j'ai bien fait de venir. S'il me met encore des bâtons dans les roues, je le tue. Et qui s'occupera des listes de prisonniers, alors? Toi? Ne sais même pas ajuster tes brassards, alors écrire. Calife à la place du calife, c'est calage criminel. Et si ça peut nous mais n'importe quoi. Mais ça va pas, non? Mais ça va pas, le chat, non mais. Hey franchement. Oh bah là, super. Non, non, mais. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas de pistolet. Beaucoup plus simple que dans d'autres jeux. Bah, ils ont des arcs. C'est une bonne remarque. Je vais peut-être mourir. S'il te plaît. Ouais, l'effet était pas stylé quand t'étais pas sur la touche. Ils me trouveront jamais là-haut. Ah, tu viens de disparaître. Je n'existe plus. Et t'as vu. Ah, les flèches! Commettre des actes répréhensibles augmente la notoriété. Bah, super, moi j'adore la notoriété. Alors, c'est pas dans ce sens-là. Peu importe qu'on parle de moi. En bien ou en mal. En bien ou en mal. Tant qu'on parle de moi. Parle de moi. Je fais confiance. Bad buzz is still buzz. Putain, non mais. Hey, t'as vu? Je me suis même pas fait mal. Oh, vous pouvez ouvrir la porte? C'est par là mon objectif. Putain, c'est vrai qu'il y a pas eu le moment commentaire YouTube. Attends, en plus je t'en avais gardé un de côté. Oh non. Attends, un seul, il était pas mal. Oh putain, je l'ai mis où? Mais il est à chier, non, lui, il a pas s'accroché là. À chier! Putain, mais je suis complètement redescendu pour tout remonter quoi. Ah ouais, c'est bon. Putain, je sais plus de quoi ça parlait. Oh, je crois que c'était sur une VOD. Ou de quiz. Un truc comme ça. Ok, t'es prêt? Attends, il dit qu'on est con? Bon, vas-y. Oui, mais il le dit d'une manière parfaite. Écoute bien. Ah ouais, quand même. Le niveau de culture générale et d'anglais est tristement médiocre. C'est ça qui est bien maintenant. Même les derniers des teubés peuvent gagner leur vie. C'est beau le 21e siècle. Niveau d'anglais? J'ai un très bon niveau d'anglais. Pas assez d'après Kageti. Qu'est-ce qu'il me raconte ce gros fils de pute? Pas possible d'être pas un connard pareil là. Non mais moi en fait ça me fait rien parce que son message il transpire encore une fois le complexe de mais moi aussi je pourrais avoir plein d'argent comme eux parce que je suis plus intelligent qu'eux d'abord donc moi aussi je pourrais faire ce qu'ils font donc c'est trop intelligent putain. Ils sont bêtes, ils ont peut-être de l'argent, ils sont connus mais ils sont trop bêtes. Je suis plus intelligent qu'eux de toute façon. Bah là en l'occurrence tu pouvais, il suffisait de rester dans la fougère. Oui je pense que j'étais bien dans la fougère. Oh il vise bien. Oh là là, non mais... Mais tue-les tous. Moi il m'emmerde, je veux faire ma mission, d'accord?
Laissez-moi faire ma mission. Je ne sais pas où elle est. Vais chercher le registre en tuant tout le monde. Oui, on peut faire les deux, c'est vrai. Mais où est le... T'as envoyé quoi là? Dans la gueule. T'as envoyé quoi là? Un caillou. Moi, à moi, t'envoies des cailloux. Regarde, regarde ce que je vais lui faire. Bon, j'ai même pas eu l'action pour. Allez, 1v2. D'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Ah, ils sont trop faibles. Ils sont trop faibles. Tu vas mourir, tu le sais. Non. Oh! Mais il a fait une double parade! Alors? Ah, allez, ça. Amenez-moi au registre. Non! Je consomme un élixir. Élixir. Oh. D'accord, je dois me reprendre. On va proposer des registres. Bah, c'est la cible là-bas, le mec en noir. C'est là. Ah oui, le registre, c'est là. Bon, j'attends. J'attends. Tu crois vraiment que j'ai oublié? Tu viens de buter 5 mecs. Une minute. Hop là. Viens avec moi. Bon, flemme. On y va. De toute façon, t'as buté plus de la moitié du régiment là. Ouais, il est pas rancunier lui hein. T'as beaucoup d'armure toi. Ça s'assassine ça. Bah putain, t'as de la chance. Un beau morceau. Bon, l'objectif était là. Ah, il est juste en dessous, mais. C'est incompréhensible. Faut rentrer à l'intérieur du bâtiment. Ouais. En passant par la gauche. Celui-là ressemble à un scribe. Hé, hey, qu'est-ce que. Ouais, t'as vu là. Hé, hey, là, est-ce qu'il m'a vu? Hé hey, oh merde! Arrêtez ça! Ah là, c'est vraiment dommage là. On va vite aller prendre le registre, je crois. Voilà qui ressemble à un logement. La clé? Mais c'est pas dans mes plans ça! C'est peut-être le gros balèze qui a la clé. Putain, je peux pas les parer ceux-là, ils sont trop forts. Ou... Ah non, c'est parce que j'ai pas les rouges, tu dois les esquiver. Tu es à moi maintenant! Oh non, pas lui! Oh là! Ouais, voilà. Fuyons! Par contre, je pense que je peux choper le garde qui a. Lequel d'entre vous? Le garde principal. Parce que souvent on voit la clé sur avec l'œil de. Pourquoi tu les vois tout rouges? C'est parce que je viens d'activer mon œil, je crois. Au massacre. Et lui, comment tu vas faire pour le combat? Je te prends en duel. Je me suis caché. Ouais, non. Elixir, mon bon seigneur. Je crois que là, on va s'en passer. Mais la clé, qui a la clé, sérieux? Ah bah non, sors pas. Le truc, c'est que j'ai tué tout le monde. Ah, la clé, elle est là. Ah, donc t'avais bien buté le mec qui avait la clé. Laisse-moi donc garder cette clé. T'essayes vraiment d'être discret là? Ça lâche. Regarde, regarde bien. Regarde bien. Il a son trou. Wow. Il a des yeux derrière la tête. Il s'en va. Il est trop chiant. Mais il te dira jamais, il faut le combattre. Mais je ne peux pas le combattre, il est trop fort. Putain, il me fait trop chier. Il va quand même pas voler le registre sans combattre. Je prends ça et je m'en vais. Oh. Toutes sont associées à des marques distinctes. Juste un peu. Voilà. Ça sent quand même dommage. Les petits lingots. Nulle part. Je ne suis pas dans cette pièce. Un dé en os. Ah! Ah! Ah, c'est con! Bah là, t'as buté tout le camp là. Ouais, là, je me suis régalé. Ça, c'est un menu. Enquête. Un menu Maxi Best-of. Parle pas de ça, malheureux. Je risquerais de me laisser tenter. Un menu Burgouze. Y a pas de Burgouze à Lille. Ils sont où les Burgouzes? Ils sont à Paris les Burgouzes.
Ouais, se préparer des burgos. Paris, c'est pas le centre du monde. Hein. Valouze. En plus, je crois que tu viens du nord. C'est un peu honteux comme projet, du coup. Valouze, coupe vite d'où il vient. Ouais. Quand il faut faire du fif. Ça régale que les Parisiens. C'est quand même malheureux d'oublier sa patrie. On est des bouseux, c'est ça? Bah, peut-être que le burgouze, il est trop bon pour les gens qui y valident. On n'a pas le palais pour en profiter. Vous, il vous faut une mitraillette. Habitants, sachez qu'un chariot renversé génère d'importants encombrements près de la... Mitraillette à chiasse, ouais. non, c'est bon. Attends. Oh! Quoi? Mais tu me dis rien, j'ai oublié de m'arroser. Comment ça tu me dis rien? Tu me dis rien en mode genre réveil pour qu'il s'arrose à calvitie. Je suis pas une alarme. Pourquoi t'as retiré l'alarme à Rosewer? Mais c'est un minuteur en fait, minuteur de 30 minutes, et je le remets dès que je le fais, quoi. Bah t'as oublié de le mettre. Bah ouais, j'ai oublié de le mettre. C'est très grave. Tu me dis rien. Bah oui, je me sentais tout sec. Tu sais que si t'arroses pas, j'ai lu que les cheveux repoussaient, mais à l'inverse, ils poussent dans ton crâne. Oh. Et après genre t'as les cheveux qui sortent par les yeux et tout. Oui, horrible. C'est horrible. Donc faut vite arroser. Trouvé. Je t'avais prévenu il y a 10 minutes, mais vous auriez dû tous me prévenir. Bah là, vous devez le reprévenir à... Bien, à 46 ? 56. C'est peut-être Béchi qui rallie ses hommes. Nous tous, épaule contre épaule. Car si l'un d'entre nous tombe... C'est toi, Béchi ? Je suis un allié de nous. C'est dégoûtant tout connais, ça. C'est pas dégoûtant de s'arroser. Je le connais, oui. Vous devriez tous vous arroser, fois d'ailleurs. Que je l'ai vu, il fuyait la ville comme une souris. Faut s'arroser de temps en temps. Pas nous dire. Vous avez tous la même manière de penser. Mais le plan est bon. Libérez les rebelles. J'ai besoin de ton aide. Ah, ton aide, pourquoi? Ah, ils sont dans l'alcal. C'est comme si c'était fait, et cette fois-ci, en full stealth. Bon, là t'es vraiment nul. Mais j'avais pas vu que c'était déjà la zone interdite. T'as couru devant eux. Mais la zone interdite elle commence trop vite. Full stealth. Tu peux pas recommencer? Genre y'a pas start et recommencer la mission? T'as cru? Mais on est dans un monde ouvert Damien, tout est connecté. Mais qu'il est naïf celui-là, on est en 2023 hein. Je trouvais que t'étais qu'il est con. Qu'il est con celui-là. Et quand il va dormir il fait comment pour s'arroser du coup? Bah je lui ai demandé. Eh ben, je ne suis pas tenu de m'arroser, mais si je me réveille, il faut vraiment que je m'arrose, quoi. Il doit s'arroser une dizaine de fois minimum, mais il est conseillé quand même de bien s'arroser pendant la nuit, quoi. Donc en gros, c'est pas obligatoire, mais si tu veux pas avoir les cheveux qui poussent dans le crâne, réveille-toi quand même. Voilà, attention quand même, vaut mieux s'arroser quand même. Allez, et cette fois-ci, je vous montre de quoi je suis capable. Zone interdite, je vais vous montrer comment ça se passe. Il est con. Allez, monte. Donc c'est par où? Ah bah ils m'ont retiré mon objectif, ils sont cons ou quoi? Ou alors il y a... Un truc là aussi. Là. Ok. Ah il y a plusieurs... Rebelle. Ok, full stealth. Je vais pas vous assassiner. Je vais garder les yeux ouverts. Non, ce serait visible. La vigilance est une récompense en soi. Comment je vais le libérer? Sinon, on peut toujours effectivement rappeler Itaxu. Itaxu, le boss. Toi, reste là. Moi? Vous parlez de moi? La dernière fois qu'on a joué à Assassin's Creed, c'était il y a 6 ans et c'était Itaxu qui a joué à notre place. Ouais, bah Itaxu, il aurait dû venir. Putain! Oh, c'est bon, fais chier. Je vais devoir attendre 1000 ans encore.
Mais ça va rien grimper, ils me trouveront jamais. Ah, ils sont en train de grimper, je les entends. Ouais, je les entends à côté de moi là. Mais pendant ce temps-là, en fait, c'était une diversion. Regarde. Il y en a un qui est juste devant toi. Regarde. Voilà. Tu es libre. Allez sur les quais. Retrouvez Béchy. Ah, ils l'ont pas vu venir celui-là. Reviens ici, chien. Ok. Ah, te voilà. Oh, j'ai pas eu le temps de faire mon interaction. Oh, tu peux en tuer un de temps en temps, ça fait jamais de mal. Pour plaisir même. Je vais t'étriper. Voilà. Allons au bateau. On peut prendre les navires en mirage. Oh, genre là, je prends un navire et je me barre là. Bah, vu la taille du navire, non, mais est-ce qu'on peut prendre des petits bateaux au moins? Wouhou! Par où? Bonjour. A chaque fois que tu tues un mec, pense juste qu'il faisait son boulot. Hein. Il y a une femme, des gosses, qui attendent qu'il revienne à la maison. Genre lui là? Oui. Voilà, lui par exemple, il y a une femme. Ah. Eh ben, il était très elle nul. Attendra pour souper ce soir. Si je peux me permettre, il était très nul, mérité. Lui, il a une fille qui est malade et il travaille dur pour pouvoir payer ses soins. Putain! Bon. Non! Oh, c'est le bordel. Y'a pas d'élixir, vous n'avez pas d'élixir. M'en fous, j'en ai pas besoin. Y'en a un, vous êtes nombreux. Y'en a trop. Mais moi aussi j'ai une femme et des trucs. Putain. Et des trucs. Mais non, mais là faut le faire. Faut le faire en stealth de toute façon, sinon ils sont à l'infini. Y'en a mille. Et tu sais que tu as des points de compétence, hein. Oh bah là, tu me demandes beaucoup. Mais moi, les Assassin's Creed, ça a jamais été vraiment mon genre de jeu, quand même. Oh là, on peut se personnaliser, quand même. À poil. Non. Bah pourquoi pas. Tu le préfères à poil. On peut pas choisir la teinte. On n'a pas de teinte. Oh oh. J'ai la dague du temps. Et l'épée des sables. Mais t'as quelle version toi? Une bien belle version on dirait. Pour appliquer. Oui bah. Oh, je suis pas mal là. Bon allez, on y va et cette fois-ci c'est exemplaire. Mais là, mais mec, là t'as un design où on dirait que t'es vraiment Prince of Persia quoi. Un peu ouais. C'est un là... skin Prince of Persia non? Là ouais un peu. Allez net, sans bavure. Vous allez être impressionné. À l'origine, Assassin's Creed est né du projet de faire une suite à Prince of Persia. Non mais c'est impossible d'aller au bateau Mais si, je te jure que mon anecdote est vraie. Attends quoi? T'as dit quoi là? D'un projet de Prince of Persia? Assassin's Creed, c'est né juste parce que ça devait être une suite à Prince of Persia et finalement ils en ont fait un nouveau jeu. Allez, Assassin's Creed. En vrai ça m'étonne pas du tout. Hein. Je me suis toujours dit que c'était étrangement très similaire sur pas mal d'aspects quoi. Je suis pas surpris. Et Assassin's Creed Mirage, c'est inspiré de Titeuf, le film. Ah oh non mais c'est... Mais putain! Tessa, je me fais défoncer par tout le monde et il me raconte des anecdotes de merde! J'y peux rien, j'apprends des choses aux gens. C'est un puits de savoir, il y peut rien. Oh putain... C'est horrible.
Alors attendez. Quand on parle de compétences. Bah oui, parce que depuis tout à l'heure, tu n'aimais pas toi tes compétences. Mais est-ce que je vais les utiliser? C'est toujours ça. La roulade de contre. Bah alors. Par contre, t'as pas de points. Jamais je fais ça. Cependant. Fouille auto d'un ennemi. Bon. Mais sans faire la roulade de contre, tu peux juste prendre le truc fantôme le tout premier. Alors. Bon, je vois qu'il n'est pas convaincu. Mais je ferai jamais. Il sait qu'il va devoir appuyer sur une touche. Une touche, c'est beaucoup. Parce que une touche plus une touche plus une touche. Y, j'appuie jamais dessus. Putain. On peut parler 5 minutes du gameplay de Link. Bah, c'est bah, fils de pute. Moi, je joue pas à Assassin's Creed. J'ai jamais joué à ces jeux-là. Voilà, ça me parle pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et la preuve, il vient de dire Assassin's Creed. Non, ça va trop loin. Je t'ai dit, il y a 6 ans, c'était déjà ça. On avait fait jouer Taxou parce qu'on n'arrivait pas à jouer de manière impressionnante au jeu. Mais oui, moi, ça me parle pas, là. Je n'y arrive pas. Où sont mes rebelles? Allez là. Ouais, plus ça se resserre, plus t'es près du truc. Ouais, bah ça j'ai bien compris, mais... Sans vouloir... Bah, j'étais dessus depuis tout à l'heure, quoi, en gros. Si on peut juste... Ok. J'ai commencé à jouer à mes 7 ou 8 ans Assassin's Creed. C'est bien ce que je dis, ouais. C'est bien ce que je dis. Ah. Attends, parce que lui, il voulait peut-être prendre ta défense pour dire... Oui, oui, mais je veux dire, lui, je l'agresse pas, mais c'est bien ce que je dis, c'est que... Bon. Bah, t'as quand même dit, c'est bien ce que je dis, fils de pute. Il y a bien... Non, mais c'est pas la même personne. Ah non, l'autre, je retire pas. L'autre, je retire pas ce que j'ai dit. Mais attends, il va peut-être s'excuser. M'en fous. Il va dire pardon, j'ai été médisant pour rien. Attends, mais... Ah, il est derrière cette... Il bouge. Il est libre. Ah, il est derrière, là. Oh putain, parce que c'est barricadé derrière, donc ça va être un peu compliqué. Ouais, c'est une zone où si t'es repéré, c'est foutu. Si t'es repéré, faut se battre. Ouais, mais faut se battre, mais est-ce que tu te bats avec... Enfin, les ennemis, ils arrivent à l'infini, on est d'accord? Non, pas à l'infini. Ouais, mais il y en a 15 à battre, quoi. Ah, il y en a... Par contre, je croyais qu'il y en a beaucoup, là... Trouver la clé. Ouais, bah ouais, bah ouais, bah c'est bien. Bah nickel. Bah, ce qui est fait n'est plus à faire. Oh putain. Oh bordel. En même temps, comment tu peux être discret? Bah si, accroupi et cache-toi derrière les trucs et dans les trucs à chaque fois. Ouais, j'ai compris. Eh oh, on parle français. Ah bah non, vous avez le droit. Ah bah non, c'est chez vous. Ouais, bah ouais. Ah ouais, bah t'as pas de chance quand même. Putain de merde. Puis c'est long après là. Oh. Ah non, c'est confirmé. Si tu tues tout le monde, ça ne gêne pas. C'est certainement vrai. On le saura jamais, parce que je pense que tu veux pas les affronter. Ah, ça va me faire chier, et puis j'y arriverai pas. Ok, ils t'ont oublié. Il y a des mecs partout, quoi. Puis maintenant, faut trouver le mec qui a la clé, en plus. Et je pense que ton aigle peut te faire repérer non seulement les ennemis, mais aussi le mec qui a la clé. Ça s'ouvre pas. Je vais te donner une info croustillante. Ouais, mais je suis pas sûr de ça. Regarde les ennemis. Je pense que ça les repère, déjà. Non.
Ouais, mais. Ah, on prend des photos avec l'aigle. Oh bordel. Il s'enfuit. Faut tout escalader. C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Je suis allé sur un truc pour aller au bateau et on m'a vu direct. C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Je suis passé sur la grande grue. J'ai été vu instant. Exactement mon projet. Bon, maintenant qu'on est plus tranquille, qu'est-ce que tu penses de la décision de Bush d'avoir envahi l'Irak? Qu'on est plus tranquille, il a dit. Je pensais que j'allais répondre. Non, parce que déjà ton avis bien tranché sur la question. Pas besoin que tu me répondes. Je me souviens encore quand tu m'as appelé en 2017. Terra, putain, ils retirent leurs troupes en Irak, je suis dégoûté. Putain, et puis quand je t'ai appelé, quand ils les ont mises aussi. Génial, tu connais pas la dernière. Ils y sont allés. C'est fait. On avait 10 ans, il m'a appelé sur mon téléphone fixe, je m'en souviens chez mes parents. Devine. Il était trop content. Eh hey, mais tourne-toi, toi. Non. Ouais. En fait, faut que tu élimines. C'est quoi? C'est ceux qui sont en haut que tu dois tuer. Parce que c'est ceux qui vont te repérer le plus. Oh, discret. Et celui qui est en haut là, farci de toi. Je sais pas si je peux faire ça. Eh ouais, mais s'il est nul, c'est pas mon problème. Pourquoi j'ai pas d'action pour le niquer? Pourquoi il l'attrape pas comme dans tous les jeux vidéo? Et pourquoi il te voit surtout? Sérieux? Je suis pas énervé. Mais il te sous-confirme. Étape par étape, exactement. Oui, oui, bah c'est. Là, vraiment, mon étape était pas scandaleuse non plus, j'étais en dessous de lui. Non, ça paraissait logique. Et je comprends pas pourquoi il t'a vu puisque t'étais en dessous. Oh, je crois qu'il a vraiment. Il a vraiment un peu capté le subterfuge. Oh, par contre, si tu viens dans la fougère, c'est terminé pour toi. Ça, je... Là. Oh là, bah alors, voilà, oui. Là, c'est gratuit, monsieur. Là, honnêtement. Alors étape par étape. Alors elles sont français. Tu vois cette grue, moi elle m'inspire, mais c'est vrai qu'elle est en plein milieu. Ah, ça donne envie de la prendre pour sauter jusqu'au bateau, je suis d'accord. Mais c'est déraisonnable. Et c'est pas lui qui a la clé là, le gars qui a une grosse pine derrière toi. Non, derrière. Derrière encore. À gauche. Là. Le gros marqueur noir. C'est pas un mec qui a la clé, c'est ça. C'est juste un mec que j'ai marqué, ça. Mais en vrai, si je vais devant la porte. Elle est où la porte? Ça va quand même te dire que t'as pas la clé, hein. Ouais, mais après, normalement, ma vision. Ah! Faut la tirer, lui. Et tu peux peut-être le faire exploser avec le baril. Tu lances un truc, discretos. Un caillou pour l'attirer? J'ai pas. Tu n'as pas de caillou. Oups. Bon. Qui craint l'incendie. Oups. Oula, j'aurais pas dû siffler. Comment je vais l'atteindre, lui? C'est lui qui doit t'atteindre. C'est profond. Mais malheureusement, je crois que. Après, j'ai bien une idée de comment l'atteindre, hein, honnêtement, mais ça va pas vous plaire. Oh là, bah dis donc, ça va pas. Oh, vas-y, explosion. Ouais, vas-y. Et cache-toi ensuite. Bon, bah c'est réglé, il est mort. Au moins, la clé est par terre, ça c'est clair. Il a plus qu'à les servir. Ça tue pas du premier coup. Mais il en a rien à foutre.
Oh, on est mort. Et c'est bon. On a encore. Il y en a qui arrivent. Ouais, l'archer de merde. Toi, t'es chiant. Oh bah, je vais peut-être... Ouais, parce qu'il y a quand même des gosses qui vont le regarder au bout d'un moment. Peut-être vous déplacer un petit coup, parce que... Ça fait des... Putain. Ouais, franchement, là, vous m'avez pris de court. Je m'y attendais pas. Je peux viser avec lui. Oh. Oh. Bah alors ça. Vous avez pas des munitions? Ah bah si. Ah bah si. Y'a du monde. Y'a du monde, allez, va chercher la clé. Hein. Le reste, c'est pas ton souci. Allez, s'il te plaît, te fais pas voir. C'est derrière toi la clé. Hein. Ouais, mais y'a du monde encore. Ça fait peur un peu. Ah, t'as pris goût, tu fais des gens, hein, tu veux tous les tuer. Si je me fais pas repérer, je. Non. Voilà, voilà. Hey, hey, tu es mort. Putain, fais chier. Il va peut-être pas sonner l'alerte. Oui, vous avez peut-être vu un truc. Non, je sais absolument pas ça que je veux faire. T'as qu'à le lancer sur quelqu'un. J'improvise. Oh putain. C'est un délit de fuite ce que tu fais. Fuyons. Voilà. Maintenant on redescend, ni vu ni connu, personne n'a compris. Il y a juste 36 cadavres au sol. La porte est là. Et on passe à autre chose. Une journée comme une autre. La porte est barricadée, oui, et la clé c'était quand? C'était comment derrière? Sur le côté? Bah là, pour le coup je sais plus parce que je me souviens que c'était ici. En plus je me souviens pas. Merde. Bah merde, c'est les barricadés. Voilà, ne bouge plus. On ne sait jamais. Hein? Oh. Et l'autre avec son barillet d'à côté. Il y a deux techniques, effectivement. Une minute. Ça, c'est excellent. Où oh, c'est était... quand même le plus pratique. C'est pratique. Où était l'autre entrée? Là. Putain, j'ai mal au crâne, c'est pas bien ce que je fais. Fronce les sourcils. Ah non, mais c'est pas bien parce que j'aplatis. Le casque, il est relevé, mais il descend et il aplatit ma greffe, c'est pas bien. Il faut... Je dois remettre 5000 euros, c'est chiant. Il aplatit ma greffe. je dois remettre 5000 balles, c'est quand même dommage, quoi. Putain. Le casque qui est ridé, bah tu veux que je fasse quoi, connard? J'ai un métier, c'est un truc de ouf. Ça me backseat ma greffe. J'y peux rien, les gars. C'est backseat sa greffe de cheveux. Il me casse les couilles, sérieux, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si je veux que mon micro y tienne, j'ai pas d'autre choix. Genre, mets des écouteurs, mais bande de jadis! Je pensais que j'y ai pas pensé. J'ai pas de micro. Tu prends de la ficelle. Tu scotches un bout de ficelle au plafond qui pend jusqu'à aux oreilles de ton casque. Comme ça les maintient à une certaine hauteur. Waouh. Ah alors, qui est le plus con? Alors. Putain, là, ça va pas là. Il est streamer, il a pas de micro. Bon vas-y. Bon. J'arrête de lire ce chat. C'est pas moi. Putain, qui leur ai dit de t'énerver. On peut pas s'accrocher à la corde. Je sais que je fais souvent des blagues, mais là... Non, mais là c'est eux, non, mais c'est juste eux, là. Y'a pas de... Ah, alors attends. On a Maitou qui nous dit, ce que tu avais pas pensé, moi non plus. Mets ton casque autour du cou pour avoir toujours le micro. Et oh, waouh, wow, vas-y, je le fais, vas-y, c'est bon. Allez, on continue. Voilà. Bon bah là, vous allez voir entendre du problème avec le son. Allez, on y va, voilà. L'objectif. Bon, on dirait que je parle à quelqu'un en haut-parleur qui a posé son téléphone et qui me parle loin. À croire que je sais pas me poser plus d'une question dans ma vie. Non mais je t'entends presque plus là.
fallait le tuer. Allez, Béchi, là, parle. Tu es tenace, Basim. Putain, c'est un truc de ouf quand même, ça. Ensemble, nous mettrons fin au malheur de cette ville. Ces malheurs sont l'œuvre d'Al-Hul, celui dont on ne fait que parler sans jamais le voir. Que peux-tu me dire à son sujet? Il s'empare des ennemis du califat. C'est pas il peut qu'être allé c'est tuer en que su... c'est je veux. Oh bah on a bien fait. On aurait dit que ça faisait une phrase. On est d'accord? Je sais pas, j'ai aussi, pas aussi le même sentiment de... On dirait qu'il dit une phrase. Faudrait reconstituer, peut-être qu'il a dit, genre c'était a dit quelque YouTube chose. Chaque premier mot de ses phrases fait une phrase. Bah ouais. Faut vraiment que, genre, que j'arrache les affiches parce que là il me cherche. Voilà. Ce serait dire que c'est déjà disponible dans Assassin's Creed 2. Hein. Ce n'est pas une nouveauté techniquement. Mais t'as le droit de foutre la merde dans la ville comme ça, juste pour marcher? Bah j'ai rajouté 2 jours de chantier mais j'ai le droit. Vous avez pas de punaise de lit à Lille? Non. De toute façon, y'en a pas non plus à Paris, hein, t'inquiète pas. Hein. Ouais. En vrai, y'en a des gens qui en ont chez eux là? Alors, bon. Je sais pas si les gens sont parano. Mais y'a une recrudescence de matelas qui sont jetés à l'extérieur. Peut-être parce que les gens commencent à regarder. Ah, et genre, en mode c'est des crados depuis toujours, mais c'est que maintenant qu'ils ont vérifié. Bah oui, ils ont juste relevé leur matelas, ils ont fait ah merde, c'est pour ça que ça gratte. Ah merde. Ah putain. Mais je flippe. Oui, mais si c'était pas tous les jours. Si vous avez pas tous les jours des tapines sur Twitter sur les punaises de lit, vous flipperiez. Je suis sûr qu'il y en a pas plus qu'avant. Juste une panique pourquoi généralisée. Pourquoi au gouvernement ils en parlent comme si c'était. Il fallait tirer la sonnette d'alarme. Il y a une députée qui a gueulé contre ça dans l'hémicycle. Bah moi j'ai vu justement quelqu'un dire qu'il n'y en avait pas vraiment plus, mais je sais plus qui. Moi j'ai vu la députée qui disait « Et s'il y avait des punaises de lit à Matignon, vous commenceriez à prendre des mesures ?» Ah oui d'accord ça. Ah ouais, des punaises de Lille. Oh non, j'ai des punaises de Lille. Oh non, des punaises de live, retirez-les. Regardez la vidéo de Nozman dessus, oui non mais c'est bon, moi j'ai pas envie de regarder des trucs sur les punaises de lit tous les jours, hein. faut arrêter de se matrixer tout seul aussi. Hein. Moi c'est Abu Jafar. Si vous regardez toutes les journées des trucs sur les punaises de lit, vous aurez sûrement peur des punaises de lit. Hein. C'est probable. Oh bah avec tous les lingots de fer que j'ai eu, crois-moi bien... Que tu veux faire quoi? Que je vais augmenter ma capacité, pas du tout. Échelon verrouillé... T'avais pas grand-chose hein. Ah oui. Voilà. La distance de lancer. 50% de dégâts. T'as vraiment level up que ça. J'espère que c'est le seul truc que tu pouvais level up. Attends. Et pas ton arme principale. Mais ouais, t'inquiète. La distance de lancer. C'est bien la distance de lancer. C'est surtout que t'en as pas assez dans ton inventaire. Le one shot. Ou bien. Ouais. Ouais, tu vois ce que les trucs. C'est mes outils. Ouais. Toujours plein de ressources. Merci, Abu Jafar. Ah, tu dois arroser. Ah. Ah non, c'est dans 2 minutes. Foulad est allé chercher un prêt. Moyen d'entrer. Tu peux pas arroser en avance de la porte de Damas. Je dois leur. Tu veux savoir? Mais auparavant. Oui. Chaque minute compte, je suis bientôt à court d'arrosage. Donc le temps que j'aille, je dois aller rechercher demain matin, mais je sais pas si je vais. Ah, mais parce que c'est pas vraiment que de l'eau. Non, c'est un brumisateur. C'est vraiment de l'engrais. Non, c'est un brumisateur, normal, mais c'est quand même de la brume quoi. Faut pas mettre un truc violent. Faut pas que je vous verse. Il faut qu'elle aille au magasin agricole pour acheter de l'engrais demain. Faut pas que j'aille. Je vais aller chez Casto là. Non, mais je peux pas me noyer. Pas que je le noie. Ouh.
Alors c'est très moche comme musique, sans vouloir vexer la personne qui fait l'instrument. Hyper mal, non? Il souffle dans un tube, hein, c'est tout. Il joue très très mal, le monsieur. Il est loin, ce foulade. Oh là! Oh, mais t'as encore eu de la chance! Et surtout, ça amortissait pas du tout des chutes, hein, je pense. C'était des feuilles de palmier par terre. J'aurais pas fait confiance. La prison. Quoi, faut libérer quelqu'un? Prison? Là-haut, je crois. Salut, foulade. La voix de la prison. Aussi cruelle et impitoyable que dans mon souvenir. Y as-tu été incarcéré? Oh non. Je n'y suis jamais entré. En fait, je n'en ai jamais été aussi proche. C'est l'heure d'arroser. C'est d'ici que je faisais voler mon cerf-volant, au-dessus des murs de la prison. Il avait une forme unique, vois-tu. Mon père et moi l'avions fabriqué ensemble lorsque j'ai... Ta gueule. Alors je venais ici, jour après jour, espérant que la brise l'emporterait assez haut pour qu'il le voie et qu'il sache que j'étais là. J'ignore s'il l'a jamais vu. Oh, j'ai trouvé une technique. Je connais cette souffrance. Et suis peiné que tu la connaisses aussi. Comment ça? Moi, j'ai trouvé. Attends. Ces souffrances façonnent nos... À propos. Oui. Comment as-tu péché? Merci. Tu pourrais peut-être amener les gardiens à fermer les yeux ou te procurer l'aide de quelques marchands. Je verrai alors ce qui me conviendra le mieux. Je te laisse et regagne le bureau. Va faire caca là. Mais il va arrêter de... il fait un chantier. Mais qu'est-ce qu'il branle? Tu sais, sur notre casque, il y a les arceaux en haut là. Quand t'écartes le casque, il s'écarte. Oui. Et c'est ça qui fait que ça touche mes croûtes. Et ben j'ai scotché les deux arceaux, comme ça ils sont collés. Du coup, ils passent au milieu de la zone de guerre. Oui, mais si tu les rapproches, ça resserre un peu le casque. Ça, c'est pas grave, là, il touche rien, en fait. Ah, c'était les arceaux qui... C'était les arceaux qui allaient chercher devant et derrière, de manière super chiante. C'est bon. Je suis safe. Mais... Ils vont quand même... Ah non, d'accord. Prête-moi. Ils flottent en l'air, là. Bah, même pas, mais même s'ils sont sur mon crâne, vu que je suis... Il y a que devant et derrière, si c'est au milieu, c'est... Ouais, mais ça touche pas derrière, genre. Non. Là, tu vas repayer 5000 balles, tu feras pas chier le monde. Bon bah vous avez tout niqué, tant pis. Il a découvert un truc là. Du tout. Je suis pas sûr. Il a découvert un truc mais c'est pas ça. Ça a découvert bof. Hein. Ah non, rechercher des moyens de vous... Ouais. Non, bah alors, il peut pas y avoir des bottes de foin. Ouais, mais c'est du sable, donc ça fait pas mal. C'est bon. Messeigneurs, je sens en vous des hommes d'affaires avisés. Puis-je vous faire une proposition? Une proposition, dis-tu? Dès lors qu'elle présente un attrait, l'ami, je dois... Frotte le crâne. Proposer un jeton? Proposer un jeton. Putain, ouais, j'ai pas de jeton, moi. On a pas de jeton, c'est chier. C'était quoi le deal? On cherche des moyens de vous proposer un truc. On peut dealer un truc avec lui et nous faire entrer en prison. Parler aux marchands. Marchandises. Ouais, mais j'ai déjà parlé aux marchands. Le problème, c'est qu'il voudra pas. Il voudra pas négocier. Hein. Ouais, on a pas de putain de jetons. Comment on trouve un jeton? Ah, c'est quoi le truc qui brille derrière toi? Là. C'est pour mon codex. C'est
Peut-être que là il y a un. Ouais. Il y a un autre indice. Seriez-vous des hommes d'Ali? Nous l'étions. Mais cela fait des semaines. Ce n'est que ton Ali, je comprends. Mais qui est. Ah, et là j'ai un jeton. Béchi m'a dit que ce jeton me permettrait d'obtenir votre aide. Alors, s'il t'a remis ceci. D'accord, mais qu'est-ce qu'il va faire comme aide? Attendez la diversion du rebelle. Je vais faire la diversion et je vais. Je sais pas. Bah, si c'est tuer tout le monde, la diversion, on aurait pu le faire nous-mêmes. Hein. On va voir. Ah, c'est bah... juste comme ça qu'on rentre? Attends, on doit les suivre? Faut pas rentrer par la porte pendant qu'ils font ça? Bon. Alors, la diversion, c'est vraiment qu'ils vont se battre, quoi. D'accord, bah battez-vous, hein, moi je. Et okay, moi je vais bah, où pendant ce temps-là? Bah toi, pendant ce temps-là, tu trouves un moyen de rentrer en prison. Faufilez-vous dans la prison. Ah. Ok. On est parti. Par contre, la diversion, c'est qu'ils ont tué tout le monde, vraiment. Oui, c'est pas qu'une diversion. Autant la sueur que le désespoir. C'est vraiment une extermination là. Ali est quelque part dans cet endroit sinistre. Reste à le trouver. Oh la prison de merde. Ouais. Oui. C'est vrai que tu l'as fait un. Tu sais, quand tu touches le terrain de boule de quelqu'un par derrière. J'ai eu. Une olive. Voilà. Ah là, ils ont tous des familles, hein, c'est fou. Quel dommage. Pas ouvrir. Je suis là. Ah, vous êtes deux, hein, c'est ça le problème. Ah bah non, pas de problème. Je vais tous vous libérer. On s'en fout que je sois là. Oh, pas celui au milieu, je pense. Lui, non. Bah, qui t'a vu? Le mec là-bas. Il est chaud. Ah, il est chaud, lui. Devant tout le monde? Bah, il va être content, les prisonniers. Les mecs, ils sont là. Bravo! Bien vu! Toi. Et ainsi de suite. Bah oui. Hey. Encore. Oui, j'arrive. Il est où ce bon vieil Ali là? Non, merci. Ils sont sourds. C'est ton objectif qui est tout là-bas? On dirait bien. Il n'y a pas un de vous qui veut aller faire autre chose? Oh la mauvaise touche. Bon bah, oh là, la mauvaise touche. Je vais t'attirer en tout cas. Oh, qu'est-ce que. Qui? Oh, tu es mort! Au moins ça tire pas le reste de la garde. J'ai des armes qui brillent. Tu dois mourir. C'est bon. Je dirais que c'est bon. Ali a été emmené dans les sous-sols de la prison et probablement supplicié. Mais on était dans les sous-sols à la base. Oh bah c'est dommage d'en avoir mis deux quand même. Ah oh non, j'ai pas la...
Oh, ah bah la mauvaise Pardon. Surprise. Putain, ils sont tous en mode esquive. Elixir. Mais reste prudent, compris. Ah, j'appuie, j'appuie. Tu vas souffrir. Mais attends, t'es en train de collecter les sables du sang. Ils ont vraiment fait tout les sables du sang. T'as compris quoi? Ouais. Je les ai, mais là, le problème c'est que. Oh. Le problème c'est que là, je. Faut vite que je termine la mission, je pense. Ah non, ils me trouvent plus? Ok. C'est lui l'objectif? S'il veut lui. Ça a pas l'air d'aller, mais je vais pas vous parler quand même. Je ne pensais pas que des démons pouvaient fouler cette terre. Mais cet homme, c'est le mal. Ne perds pas espoir. Reste là. Notre soutien Ton sort. Ah, t'es vraiment en train de tuer tout. Les prisonniers vont être plus gardés là. Hein. Pourquoi il va super vite lui? Oui, il est arrivé très vite. Concentre-toi, Bassine. Arrêtez de venir sur moi, arrêtez. Trouver et libérer Ali. J'adorerais, honnêtement j'adorerais. Salut la famille, je viens d'arriver sur le live, pourquoi l'assassin a un sabre laser? ouais, en vrai, bonne question. Je dois bien avouer que j'ai pas l'info. Où est la clé? Pas de clé. Pas de clé, hein. Allez, il est où le garde qui a, qui a les clés, là? Tout le jeu de clés, là. En bas, hein. C'est des civils, eux? C'est des gardes, ça, non? Ah non, c'est des civils. Et toi, Ali? Ah non, ça c'est le mec qui est à terre. Ah. Ah, peut-être. C'est peut-être ça. Ah oui? C'est peut-être ça plutôt. Oh, j'ai pas regardé. Honnêtement, je vous jure, c'est même pas contre vous. J'ai. Ah, ça c'est personnel par contre. Alors autant, à la base, je voulais rien faire. Ah non, mais là c'est abusé. Moi je partais sans faire de mal à personne. Allez. Là. Link a-t-il déjà goûté ses croûtes de tête? Très bonne question. Bah j'essaierai quand elles tomberont toutes seules. J'en garderai une et je ferai un petit test. Est-ce que techniquement tu pourrais décrocher toi-même avec un ongle? Oui je pourrais mais ça m'a été déconseillé, je sais pas pourquoi. C'est étonnant hein. Alors que personne t'a déjà déconseillé de ne pas décoller tes crottes de nez. C'est vrai. C'est vrai qu'on déconseille pas ce genre de choses alors qu'on devrait. Alors, ta mort sera lente. La seule chose qui causera ma mort, c'est ton odeur. Oh, c'est sûrement Ali. Tu peux l'assassiner dans le dos là, non? Oh, qu'est-ce bah c'est fini, il y aura plus de dos présent là. À qui ai-je l'honneur? Bassim, un ami de nous. Discutez peut-être. Pourquoi vous êtes à Il poil? Faut que je te fasse sortir d'ici. Pas si vite, Azizi. Nous ne pouvons pas encore partir. Faut arrêter de m'appeler Zizi. Il faut que j'aille dans la salle. Et pourquoi ça? Ah, Zizi. C'est un rôle que tu en as, n'est-ce pas? Les gardiens de cette prison sont à son service. Ils emmènent les prisonniers par groupes entiers jusqu'à des sites de fouilles, à la faveur de la nuit. Si nous mettons la main sur leurs ordres, nous apprendrons peut-être où doit se rendre Al'Hul. Est-ce une raison suffisante? Reste près de moi, baisse-toi, et surtout... Oh, allons, Bassim, je sais très bien me défendre. Vraiment? Et avec quoi? Ah bah j'ai oublié de skip. Merde. Merci. Dis-moi, Bassim. Ça m'intéresse d'un coup. Comment non, pas du tout, c'est juste j'ai oublié. Facile.
J'ai rentré le ventre et je me suis glissé dans les fissures. Prends cela comme un compliment. Je sais que les tiens avaient ce nom, mais même le plus grand voleur... Allez, un jour je te parlerai de mon passé. Alors tu comprendras. Oh. Un peu de lecture. Oh non, merci. Mais de l'argent. Oh, un couteau de lancer. Ça, oui. On peut tuer des civils. Tu vas faire tout demi-tour depuis la prison. Oh. On peut tuer des civils. Eh, vous le saviez? Non, oui. Bah non, parce que personne n'a essayé. Ah merde. Eh hey, les gars, on peut décapiter les chiens. Oh. Oh bah quoi, vous avez trouvé un cadavre, je comprends pas. Oh là, ça a dégainé les épées. Bah, y avait personne derrière moi, hein, je tiens à le préciser. D'un coup, y a du monde. Il va falloir faire vite. Brisez cette porte. Oh. Allez, je sais. Là-bas, près de l'armure. Vite. Oui, je l'ai. Porte ça à Rochad, mon maître. Elle est avec tes rebelles à la place forte du moulin. Je vais retenir intéressé les gardiens. Allez, va. Non, c'est le jeu qui est intéressé à ma place. Ah d'accord. Le jeu s'intéresse tout seul. Oh. T'entends le rat. Ça a dû faire mal. Tu te fatigues? Oh là. Oh là, oh là, oh là. Bon, et pas d'élixir en vue. Pas d'élixir en vue, donc okay, là, faire je vais très donc attention. Gérer ce combat. Il n'y en aura pas qu'un seul, c'est ça le problème. Vous êtes combien? Ah, vous êtes beaucoup. Vous êtes... D'accord. Vous êtes un peu trop, genre. Les corbeaux vont se régaler. On n'avance pas. Bah, j'ai paré là. Non, j'ai paré, je vous jure. Oh bah vas-y, t'as encore envie, c'est un miracle. T'as ralenti, t'as les sables du temps. Génial, mes sables du temps de merde. Oui, il y a un verre solitaire qui est apparu sur l'écran en haut à gauche. Je ne l'ai pas vu. Oh là, ah d'accord, c'est qu'est-ce ça. Qu'est-ce que c'est que ça, ça c'est bizarre là. Bah qu'est-ce que c'est. Est-ce que je peux juste les éviter par contre? Est-ce que je peux juste éviter ce combat? Parce que les mecs qui arrivent à l'infini, ça me tente pas. Bah sort du combat. Ouais mais... Il me barre la porte. Ah, si oh je dois faire trop nombreux. Si je dois faire toute la prison dans le sens inverse, c'est chiant quoi. Tu dois pas faire tout ça. Non, sors par là où t'es, où ça t'a proposé, mais tu les esquives juste. Ouais, juste. Ouais, je fais juste les. C'est pas la roulade comme dans Zelda. Juste, petit coup, les éviter là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, sable du temps. Bah nickel, ils se battent tout seuls maintenant. Laisse-moi passer. Oh ça y est, vous... Oh putain, il y a des arcs et tout, bordel, c'est bon. Ouais, vas-y, y'en a un autre derrière en cuirassé, c'est bon. Oh. Oh! Laissez-moi juste sortir! Allez, cours! Arrête de le viser! Je suis en retour dans la prison, mais. Par là? Oui. Vas-y, imagine qu'il y a. Allez, une botte de paille. Ah non, cette fois-ci, t'es prudent. J'ai pas regardé au cas où. Et on s'en va. Par pitié, on s'en va. Oh non.
Ils ont sonné l'alerte. Ils sont en train d'évacuer la ville, attention. On m'a juste dit ridicule. C'est bizarre. Ridicule. C'est dur quand même. Les mots sont quand même durs. A dit, t'es même pas un vrai homme. Les gardiens sont toujours en alerte. À moins d'y remédier, on ne pourrait pas revenir. Le risque, c'est tu prends pour les autres. 3 points. Ouais, d'accord. Oh, c'est le petit point de compétence, hein, gourmand. Moi, j'aime bien maintenant. Idit. Qu'est-ce que... Viens voir comme ton pote il est mort. S'il est pas trop con, il devrait rester à distance. Genre hors de la pièce, ouais. Ah non, juste il s'en fout que son pote soit mort. Il a rien à foutre. Ah, il y a quelque chose. Hein. Là, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Hein. C'est la fin. Arrachez des avis. Au soudoyer à Moudadi. Oh là. Wow, en marchant là. Trop stylé. Elles sont où les affiches? En fait, faut que tu tombes dessus par hasard. Ah bah t'en vois une, il y en a une au mur, derrière toi. 180 degrés. À droite. J'ai cru. Ah non, putain, c'était une lampe. My bad. Ça, le truc blanc, je crois que c'est une affiche au mur. Bah, une affiche, c'est carré. N'importe quoi. Bah, ah. Balade-toi dans la vide et. Bah, là, il y en a juste une là, je crois. Je suis un homme recherché. Je te demande comment je le savais. Hein. Comment tu le savais? Grâce au radar qui affiche les affiches. Ah merde, oui. C'est quand même bien en évidence. Ouais. Pratique. C'est bon, tu retires tes étoiles, change de terrain, quoi. Ouais, pratique. Il est encore là, lui. Je vais soudoyer un. Habitant. Ah, dommage. Sachez qu'un nid de cobra s'en prend aux voyageurs qui. Ouais. Vu. Quartier des savonniers. Ok, et un quartier dédié au savon. Allez, est parti rejoindre les rebelles. Roshan devrait être là-bas, elle aussi. Comment ça, 600 mètres? Tu sais combien de temps on passait à faire 600 mètres à cette époque? Ça prenait des jours. Ouais, il est garé où ton chameau? Oh bah j'ai oublié. C'est comme quand t'oublies où t'as mis ta voiture au parking. Tu peux le siffler? Ouais. Non, ça de... non mais je sais qu'il... Attends, va par terre. Ça, il va jamais pouvoir te rejoindre. Ah non, attends. Et t'as une touche pour siffler le chameau? Ah! Oh ouais! Alors! Youpi! Attention! Attention à la tête! Bong! Ouais, il est baisé le chameau! Allez! T'es bon, un bon chameau ou t'es pas un. T'es un chameau nul! Je vais faire suivi de route, on va voir ce qu'il décide de faire. Tu vas où là? Bah, il va vers l'objectif. J'espère! Il va vers un chemin qui s'est emprunté. Caméra cinéma, vas-y. Caméra cinéma. T'as une chance sur deux. Mais pourtant c'est... Ah, il faut rester appuyé. C'est ça une caméra cinéma? Ouh. Oui, regarde, hey. Admirez les ruelles de Bagdad. À travers un... Un tour interactif. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce
ce plan, ce plan dromadaire est... C'est censé être un peu héroïque, mais... Il a mis une GoPro sur le dromadaire. On dirait les plans où tu as la caméra sur un bâton et... Ouais, c'est ça. On dirait qu'il est à fond. Et il se filme. Wow. Oh là, c'est impressionnant. Bon, là, je regrette. Je regrette de te moquer, là. J'ai failli écraser quelqu'un. Mais t'as tué quelqu'un? Ouais, ouais, je crois qu'il a pris, là. Je crois qu'il a pris. Ça a l'air d'être là. Maintenant, où peut-être aller? Non mais putain, ça va pas recommencer. Tu m'as pas amené au... Bon, c'est pas grave. Ah, il peut pas tout faire non plus. On peut le frapper. C'est comme le chauffeur Uber, hein, il va pas t'amener à l'étage. Non mais t'es un bâtard. Mais je voulais voir, mais pour moi en fait... Non, je peux tout expliquer. Tu sais ce que je voulais voir? Non, si les devs... tu voulais voir si tu pouvais tuer le... Je voulais m'assurer que les devs avaient mis une sécurité pour protéger les animaux. Et c'est monstre. T'as dégoûté les pattes du chameau qui s'est fait chier à faire 600 mètres pour t'amener ici. Mais ces monstres n'ont pas mis de sécurité, c'est eux les monstres. Vous avez déjà fait moi je suis que le lanceur d'alerte. D'ailleurs, je vais te dire, attention. Dans Assassin's Creed, on peut taper les animaux, c'est quand même abusé en 2023. Non, bien sûr, si ma peur Je me suis sacrifié, je me suis sacrifié pour que vous le sachiez. Alors suis-moi. Tu te sacrifies souvent quand il s'agit d'essayer de buter des animaux dans les jeux? Oui, j'en ai fait une mission. Je frappe tous les animaux. J'essaie même de les découper pour voir si c'est permis. Voilà, et je crois qu'on s'arrêtera là parce que là on passe à une autre grande partie. Quand il y a un truc, je suis prêt la dernière fois, c'est que ça m'a fait passer à un autre truc. C'est quoi ce cheval? Tu switches, mais je demande, voilà, tu vas aller où? Dans quoi? Tu parles de la zone. Comme la mort de ses prédécesseurs et de ceux qui suivront. Ah, c'est là, tu vas suivre la fameuse 2 cloques. Ah, tu l'as aimé, t'as vu cinématique. Hein. Et attendez, parce que là, vous allez être subjugué. C'est parti. Et on écrase tout le monde. En fait, ça va être sur tout le côté épique que les gens bah se battent oui, à se faire tuer. Tout le monde court pour se fuir. Aujourd'hui, Basim, ta main, ta lame seront au service de cette mission. Et si Alcool est ta première cible, il ne sera pas la dernière. Oh, ça nous fait regarder le petit plan là avec les flammes en rose. Oh, bah si, c'est pas beau. Derrière mon aspect stoïque, la dureté de mes leçons. Oh putain, non, mais elle, sa voix, ça va pas du tout par contre. La présence de. Bah, c'est sur ta lettre, Momi, on va t'en copier avec Batazia. Tu seras sur un sable mouvant, tant que toi, tu seras notre fer de lance. J'ai l'intention de le demeurer. Elle est partie à gauche, hein. Elle est partie, hein. Elle est partie. Elle est à gauche. Vous parlez plus, là. Vous parlez plus. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes séparés de chemin. Tu vas où? Il est bête ou quoi, lui? Désolé, c'est ma caméra. Y'a un petit blanc gênant parce qu'elle t'es vexé que tu te barres. Ouais. Bah elle va pisser, tu veux pas la suivre. Elle va sortir un gros chibre. On va rien comprendre. Elle va pisser debout. Ah, c'est ça la voix. Une Bien. Pose les yeux sur. Pose les yeux sur ça. Le serpent à trois têtes. Je pars. Trempe-la dans le sang de la victime. Je te retrouverai quand cela sera fait. Voilà, et si vous voulez tremper la plume dans le sang de la victime, n'oubliez pas que le jeu est sur Epic Game Store, bien sûr. Avec le code créateur Wanky, lien dans la description, lien dans le chat. Servez-vous. Ça, c'est du CTA rapide et efficace. C'est beau, hein. Ça, c'est du CTA d'un mec qui a faim quand même. Sont morts par ta main. Oh, je vais me régaler. Avec mon nouveau robot cuisine.
Je ne sais plus où mettre ma tête entre mon robot vitre, mon robot cuisine et mon robot aspirateur laveur. Ok. Je continue de jouer là. Non. On arrête pas. J'ai fini. Merci à tous. Et on vous dit. Oui. À dimanche. Et on n'a pas de jeu dimanche. Non, pas vraiment. On a rien là. Non. Bon bah. Mais il y a des petits jeux peut-être là. Petites choses. Démerdez-vous. On verra sur Picor. Allez. Salut. À dimanche. Ciao. Mercredi, dimanche, walking crazy. Tous les jours, la semaine, walking crazy. Même quand y'a pas live, walking crazy. Monte le son, c'est trop walking crazy. Mercredi, dimanche, walking crazy. Tous les jours, la semaine, walking crazy. Même quand y'a pas live, walking crazy. Monte le son, c'est trop walking crazy. Mercredi, dimanche, walking crazy. Tous les jours, la semaine, walking crazy. Monte le son, c'est trop walking crazy. Walking crazy.